Iliade parce que à chaque fois, Iliade, quand elle dit ouais, quelqu'un veut jouer et que Mora y répond, eh ben, elle l'esquive. Et quand Mora il dit quelqu'un veut jouer, Iliade elle lui répond jamais. Et du coup, il a fait une crise de jalousie. Et en plus, tout à l'heure, Zerva dans le groupe, il a râlé. Il a dit ouais. En gros, elle a dit qui joue et il a dit moi. Et après, elle a plus relancé. Et genre 2-3 heures après, elle a remarqué qui joue alors que Morin lui avait dit moi. Et elle l'a pas câlin. Non, et Mora, regarde, après tu viens, on va faire une réunion de crise avec Ariane, d'accord? Moi je veux que je t'explique. On va lui tirer les vers du nez à celle-là. Elle va pas s'en tirer comme ça, poto, moi je te le dis. On va régler les comptes. C'est le premier, Mora, d'accord? Je l'emmerde d'une puissance balai que ma haine me suffit. Moi, je veux comprendre les raisons. Parce que ça se trouve, elle est juste en mode. Ouais, Mora et moi, on n'est pas trop proches. Du coup, peut-être que. Tu vois? T'as mis quoi là? J'ai mis du parfum à barbe. D'accord, mais pourquoi t'es tout nu? Parce que hier, Sacha, il a ken, poto. Hier, Sacha, il a ken? Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Ok, c'est bon. Ok, on a ken. J'ai passé une nuit torride. Si, 10 minutes, putain. J'ai laissé des gâteaux pour le petit-déj à toutes. Ok. Sacha a ken, les mecs. Oh, Yuna. Coucou, je pense que tu dois dormir. J'étais voir ma famille, bisous. À 16h30, poto, elle s'est réveillée. C'est quoi, c'est le Matrix, c'est de fou. D'ailleurs, vous savez qu'en vrai, le serveur, il tourne l'après-midi maintenant. Genre là, à 18-17h, je crois, il y avait 50-60 joueurs. Hein. En vrai, de vrai, maintenant, vu que c'est l'été et tout, que les gens, il y en a plein qui sont en vacances. Ça joue l'été. Bah oui, je me suis inquiété. Salut. Ah, merci pour les gâteaux. Perso. J'ai compté 12 minutes. Je regardais l'heure en même temps. Putain, c'est horrible comme phrase. C'est quoi ça comme tenue? Ok, non, ça c'est ma tenue de biker. Oh attends, je peux faire un queutru pour avoir une belle tenue. Pitié. Ok. Hop. Hop. Et j'ai une nouvelle tenue. Oh là là, masterclass. Les économies. Qui est la B-boy? Attendez, je stream hack. Non, pas encore. Vous avez vu sur GTA, des fois notre personnage il tourne tout seul. Là par exemple, regardez. Je vais juste appuyer sur Z-Shift. J'appuie sur Z-Shift et il tourne tout seul. J'ai rien touché. J'allais toucher, mais je touche pas. Regardez, je touche pas non plus là. Trop bizarre. Je fais juste Z-Shift là. Incroyable. Salut la famille. Est-ce qu'elle est là, Madaron? Enfin, Madaron.
Sacha X Dita. C'est fait. Évidemment, il n'y a pas B-Boy. Putain! C'est ça, poteau. Il manque d'un carouage dans cette ville là, il n'y a pas de carouage. Attends, je vais acheter mon poulet tant qu'à faire. Oh putain, faut que j'achète mon poulet, ben oui. J'ai pas acheté mon poulet. Merde, j'ai les blips. Attends, je vais parler direct au mec. Comment il s'appelait? J'avais mis poulet à la fin. Win poulet. Ok, super, il est là. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, Win. Sacha Pichon, pour le poulet. Ah, il y a un problème sur le réseau, j'entends mal, monsieur Pichon. Attendez, je vous rappelle. Pas de soucis. J'ai mon micro qui bug. Ok, normalement c'est bon. Allô. Oui, allô. Oui. Oui. J'entends mieux, oui, c'est mieux. C'est bon, c'est mieux. Oui. Oui, je voulais vous appeler parce que j'ai parlé à un de vos concurrents, et il me propose du poulet moins cher. Je crois en fait le concurrent il m'a appelé. Non, un autre. En fait, oui, il y a eu un quiproquo, mais je parle pas de ça. Ok, parce que ça c'était mon employé que vous avez. Oui, 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 oui. Ok, ok. Et du coup, dites-moi tout. Ben là, il me propose directement le poulet à 5$. En gros, lui, il fait 3, 4, 5. Et vous, faites 4, 5, 6. Du coup ? Du coup, je voulais savoir si vous voulez vous aligner ou si vous en avez rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ah bon ? Mais parce que j'aime votre père, je vais m'aligner. Parce que j'aime votre père, hein, c'est pas pour vous, hein. Vous alignez en 3, 4, 5 ? Je vais m'aligner pour 5, je vous fais le prix à 5$ pour les 100. Et sinon, je vous fais le prix de 250 malgré que vous en commandez que 100, ça vous va? C'est déjà bien, non? Attendez, c'est combien 250 déjà? C'était 4? 250 c'était 5. Je vous le prends à 4, 250. Vous êtes vraiment un marchand, hein. Écoutez, je suis le copatron de Dragon Kai, je vais très souvent, je vais être un client régulier. Oui, je vois. Bon écoutez, sachez une chose, j'en ai plein des clients réguliers, mais vraiment c'est pour votre paix, hein. Et débrouillez pas ça, je vous le dis, parce que j'ai un business ici. 253 du coup, on est marché conclu. Oui, bonjour monsieur. Oui allô. Oui, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me parle, oui c'est pour moi, je vous rappelle monsieur Pichon, j'ai noté la commande. Attendez, non, raccrochez, 250. J'ai raccroché. 253 250. Non, on n'abuse pas. On avait dit combien déjà, je me rappelle plus. 4$, les 250. Mais c'était le prix de base, c'est ce que vous m'aviez dit hier. Non, c'est 5. C'était combien 4? Regarde, c'est pas compliqué. 1000$, les 250 poulets, c'est bien largement. C'est bien. Ah, mais vous m'aviez dit, c'était 4, 5, 6. Et à 4$, c'était combien de poulets que je devais vous acheter? Alors, rien dit. De base, c'était 6$ unité. Oui. Vous vouliez 5$ les 100, je vous fais 4$ les 250. Oui, mais c'est ce que vous m'aviez dit de base. De base, c'était 5$ les 250. Et c'était combien? C'était pour combien je les avais à 4$? À 4$, c'était les 500. Ah ouais? Oui. Vous me le faites à 3,50? Je me suis aligné comme vous avez demandé de base. 5, 4, 3. 3,50? Je gagne plus rien, je dois payer des employés, déjà je gagne pas assez d'argent dans cette putain de ferme de merde. Bon, écoutez, on va faire un truc. Je vais vous proposer quelque chose, vous me dites ce que vous en pensez, d'accord? Dites-moi. Les deux premières fois, 4$.
Ensuite 3,50. Vous m'avez plus, c'est ça? Et ensuite 3,50. Monsieur Pichot, vous faites chier, je vous avoue que j'ai pris un coup de couteau dans le bras, je saigne du bras, il y a les EMS devant moi et vous parlez de prix depuis tout à l'heure, je m'en bats les couilles, putain de merde! Écoutez, les deux premières fois 4$ et ensuite 3,50, d'accord? Je vous... Tu sais quoi? Je vais vous amener du poulet, je vais vous l'offrir, ça règle le problème. C'est vrai? Je suis pas mille dollars après, oui, voilà, je vais vous offrir 250 de poulet et après vous passez des commandes à 4$, c'est bon? Oui, ça me va. Voilà, c'est bien, allez, j'arrive, je vais venir. Je vous attends, je vous Dragon Kai, je vous attends. Ok, je vais vous l'amener. Merci. Avec plaisir. Bon bah, let's go. C'est worth de rendre fou les gens. C'était si simple. Hey, Sacha. Bonjour père. Où avez-vous dormi? À l'hôtel. À l'hôtel? Mais pourquoi avez-vous dormi à l'hôtel alors qu'on a une villa magnifique et luxuriante? Bah j'étais ivre. J'avais pas envie de conduire bourré. Mais comment ça? Vous étiez ivre avec qui? Ben au Dragon Kai tout seul. Regardez-moi bien sérieusement, Sacha. Oui, père. Vous saoulez la gueule. Oui, père. Prenez exemple de Claude derrière moi. Je vais finir comme maman. Sacha, écoutez. Oui. Si vous tombez... Oh, c'est embêtant. Si vous tombez dans la drogue ou l'alcool, on va devoir vous tuer. Ah, ben je vais essayer de lever le pied, mais là je vous avoue que j'ai un peu la gueule de bois. J'avais pas envie de conduire, j'avais pas envie d'amener ma voiture, du coup j'ai préféré dormir là. Mais là ça va mieux, j'arrive à la villa. Vraiment alcoolisé tout seul? Oui, je me suis alcoolisé tout seul. Venez à la ville là, Sacha, on vous attend. J'arrive, père. Discutez. Oui, j'arrive. Lui, je lui dis rien, lui. Lui, je lui dis rien, il va me niquer tous mes coups, frère. Ça y est, bon, je fais plus confiance à Bandaro. Mais Katou, par contre, hier, je sais pas si elle était sincère ou pas, mais j'ai passé un bon moment de complicité entre beau-fils et belle-mère. Ça m'a fait plaisir qu'elle m'aide. Je pense que ça se peut qu'elle balance, tu vois. Mais en même temps, frère, il met trop la pression, l'autre. Je la comprends, genre, je la comprendrai, je m'en voudrais pas. Ok. Après, si elle me l'a promis et qu'elle balance, c'est que c'est vraiment une sale connasse. Le mec bipolaire là. Mais en vrai de vrai, frère, elle a dit le P-word, hein. Elle a dit je te le promets. Je dirais à partir de là, poteau. Elle est pas censée me trahir, hein. Claude, vous faites du zèle. Oui. C'est inquiétant. Mais non, c'était reculé jusqu'à 6h. Bon. Pas on va attendre Sacha et après on en parlera tous ensemble. Oui, je suis là. Où ça, hein? Non, oh, bah, derrière vous m'avez fait peur. Oui, père. Comment allez-vous, Sacha? Ça va et vous? Bah oui. Claude, bon, allez, venez vous installer. Oui. Mais il est 22h, oui, Claude. Non, il fait du zèle jusqu'à minuit, m'a-t-il dit. Wouhou. Oui, les marées sont un peu trop hautes. Oui, belle-mère. Comme je vous disais... Oh, arrêtez, belle-mère, je l'ai déjà dit. Oui, Sacha, lâchez-la un peu. D'accord. Jean, bah tiens, en parlant de belle-mère. Oui, allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir, oh, vous êtes... C'est pas oui, ça va et vous? Ça va très bien. Dites-moi, vous êtes toujours... Allez, il a raccroché. Vous savez ce qu'on dit, il vaut mieux avoir une belle-mère qu'une belle-merde. Je suppose qu'on dit ça, oui. Oui. Tiens, allô, d'ailleurs, Sacha. Non, c'est vous qui avez raccroché. T'aimes bien te battre ou pas? Du coup, est-ce que vous êtes toujours d'actualité pour quelques peintures? Bien sûr, vous en avez combien? J'ai acheté une dizaine. Oui. Très bien, combien les récupérer tantôt? Pas forcément. Quand de l'argent. Oui, je vous appellerai. Bon, pour de l'argent, on peut faire... Bonne soirée à vous, tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Celui qui gère la boxe et les événements en ville. Il m'a demandé si on avait des combattants chez nous. Oh, Claude, allez-y. Écoutez, est-ce que pour le départ de Katou, qui va chercher... Comment dire? Oui. Qui va les chercher en France? Est-ce que pour le départ de Katou, un petit braquage familial vous tenterait tous ensemble? Elle va où, Katou? Bijouterie.
En élevant en France, on doit aller récupérer quelques colis. Vous aussi ? Mais non, que Katou, mais c'est vous avez dit on ! Mais parce que Katou, c'est moi, c'est Katou ! Oui, ben, comment aurais-je pu deviner ? Ben oui, ben parce qu'on est, on est ensemble, hein, on est mariés, Sacha ! Oui, père. C'est bien que votre mère ne s'est jamais mariée ! Ah oui, vous... C'est une jeune saltimbanque ! Vous avez fui ! Non, ça l'a pas empêché de baiser à gauche à droite et faire des gamins à gogo ! Je vous interdis de dire ça de ma mère, père ! Mais c'est vrai ! Oui, c'est vrai. Bon, n'est-ce qu'un petit braquage de bijouterie vous tenterait ? N'allez pas tous en même temps, hein. Apparemment, on n'est pas trop chaud, père. Bah, alors... Moi, je m'en fous. Alors, expliquez-moi un truc. Expliquez-moi un truc. Est-ce que je peux vous appeler de bande de lâches ? Voilà. Expliquez-moi un truc. Alors, le faire avec des Italiens, ça te chauffe, mais le faire en famille, ça te chauffe pas. Bah oui, mais justement, moi, je l'ai fait hier, du coup, ça me chauffe moins. Et dans ces cas-là, vagabond, vos occupations, qu'est-ce que vous faites là, Sacha ? Mais quel rapport ? Oh, Sacha ! Oui ? Je vous pointe du doigt à l'heure actuelle. Oui, je vois. Il est impératif que... Comment dire ? Vous dormiez ici même. Pourquoi ? Vous... Où avez-vous passé la nuit, Sacha ? Je vous l'ai déjà dit, père. Dites-moi. À l'hôtel. Là, vous ne me mentez pas. Bien sûr que non, père. Regardez-moi dans les yeux. Oui ? Vous me mentez pas. Non, père, j'ai dormi à l'hôtel. Sous aucun prétexte, vous m'auriez menti. La pour quelque chose d'aussi futile qu'une simple soirée alcool. Bah non, père. Bah oui, donc vous vous êtes alcoolisé tout seul. À la fin, seul. À la fin, oui, à la fin, j'étais seul. Oh, on a la fin, c'est-à-dire. Bah une fois que je n'étais plus seul. Enfin, avec qui étiez-vous alors, avant ? Avec Gita. Oh ! Je sais même pas si la poucave il est trop fort, frère. Mais pourquoi vous me l'avez caché ? Ben, vous m'avez demandé où j'ai dormi, pas ce que j'ai fait de ma soirée. Et vous avez vraiment dormi à l'hôtel, alors ? Oui. Savez-vous que Dita a un petit appartement très sympa et chaleureux ? Sacha ? Oui, père. Pourquoi dormir à l'hôtel et dépenser de l'argent pour payer l'hôtel si... elle a un appartement très chaleureux ? J'avais pas envie de dormir chez elle, finalement. Bien sûr. J'ai fait mes affaires et je suis parti. Vous avez été à quel hôtel ? En face du Dragon Kai. Oh, vous me le présenterez. Avec grand plaisir, père. Oh bah, écoutez, allons-y maintenant, alors. Vous voulez qu'on y aille maintenant ? Bah oui. Mais pourquoi faire ? Mais que j'aille saluer le réceptionniste. Mais c'est pas la peine. Sympa, il a accueilli mon fils. Mettez-lui juste un avis sur Google, ça ira, père. Oh, vous me le présenterez tout à l'heure, alors. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on va faire. Claude et les bourguignons. Oui. Oui. Vous faites la réunion et vous faites une bijouterie. Oui, c'est Pichot. Oui. Le groupe s'engage, je sais pas. Oui, c'est Pichot. Oui. Et du coup, c'est quoi le poulet que vous voulez ? Parce que finalement, je vous l'offre, mais je sais pas ce que vous du voulez. Du poulet cru. Juste du poulet cru. Juste du poulet cru ? Oui. Bah, du coup, ça fait 10$. Comment ça, 10$ ? Vous m'avez dit que vous me l'offriez. Oui, mais pour les prochaines commandes. Non, pour les prochaines commandes, vous m'avez dit 4. Mais faut bien se rattraper. Vous m'avez dit gratuit la première, 4 les suivantes. Je peux pas mentir, j'avais mon sang qui coulait, Trop tard, 10 et 10 win. Mon cerveau était mal irrigué. Vous savez quoi ? Offrez-moi un 100, juste 100 et les prochains à 4. Vous avez 250, y'a pas de problème. En fait, c'était juste pour savoir le truc que vous vouliez. Mais j'avais envie de vous embêter un peu, parce que vous m'avez bien relaqué. Pas de problème. Bien relaqué. Merci, dans combien de temps vous êtes là ? Ah bah, je vous avoue qu'il faut les faire. D'accord, ben vous m'appelez. Platez des poulets, je vous appelle quand c'est prêt. Merci beaucoup, au revoir. A plus. Oui. Bon, allez, vous faites ça. Allez, préparez un plan. Pierre. Bah Claude, c'est ton moment, tu devais faire ça. Non, bah Claude, prenez donc un Beretta. D'accord. Ainsi qu'un chargeur. Mais... Pierre, d'accord. Prenez la BZ. Et vous savez où la mettre ? Dans le trou. Pas dans votre cul, hein, Pierre. C'est tentant. Très drôle, Sacha. Et comment c'est sur le toit ? Est-ce que c'est... Elle est loin, l'entrée d'aération ? Oh, vous allez avoir besoin de déplacer des cartons. Non, vous ne l'avez jamais fait. C'est embêtant. On en trouvera bien. J'allais en éclaireur, au pire d'abord. Il faut que votre installation soit propre et efficace. D'accord. Mm-hmm. Et une fois que vous avez les bonnes informations, vous mettrez ça dans l'aération pour que ça prenne bien toute la bijouterie. J'ai raté 3 fois hier. Oh non, vous déconnez. Oui. Vous êtes honteux. Ah oui, vraiment, c'était vraiment dur. J'ai loupé 2 fois la première fois. Oh putain.
Allez, venez. Je vais vous donner tout le nécessaire. Prenez les personnes, ne vous faites pas choper. Oh, Sacha. Oui, père. On va aller voir les Italiens. D'accord. Il ne sait pas ce qui lui attend. Tu as réussi à avoir ton poulet vu que je n'ai pas eu de nouvelles hier. Oui, allô ? Oui, allô. T'as réussi à avoir ton poulet ? Ouais, je l'ai eu, mon poulet. Enfin, non, je l'ai... pas encore, mais bientôt. Alors, tu l'as eu avec le numéro que je t'ai filé ou pas du tout ? Ouais, grâce à toi. Tu m'as bien sauvé. Ah bah, y'a pas de soucis. Si tu as besoin d'autres numéros, je suis là. Ben, j'ai déjà le tien. D'accord. Ça peut t'aider. T'es où, là ? T'as Caillot ? Hein ? Du coup, oui, je suis à Caillot. C'est quoi, c'est ta maison, ça ? Dans un garage. Non, c'est pas ma maison, c'est un garage. Y'a ma voiture juste derrière. Mais qu'est-ce que tu fais dans un garage, toi ? J'ai un problème avec les jantes de ma voiture. Ah merde. J'ai tout rangé tout à l'heure, mais rien. Ok, bon, mais en tout cas, je voulais te remercier pour le numéro et je voulais voir ton visage aussi en même temps parce que c'est vrai que je t'avais jamais vu. D'accord, ok, pas de soucis. Bon, ben, prends soin de toi et si t'as besoin, n'hésite pas. Et comme ça, tu peux voir le mien également. Mais je t'avais déjà vu de loin sur Caillot, je crois. Tu m'avais déjà vu sur Caillot ? Ah, oui, c'est mon père. Ah, peut-être. Avec une certaine Cathy ? Oui, c'est ça, c'est le mari de Cathy. Qui est-ce ? Ok, d'accord. Qui est Sacha ? Envie de vous revoir sur Caillou Perico ? Ben avec grand plaisir. Bah oui, Sacha, je suis à deux doigts de faire un doigt d'honneur, qui est-ce ? On se tient en jus. Allez, bisous. Bisous. Elle s'appelle Diana. Bah oui. C'est une dame de Caillou Perico. Oh pardon, j'ai froncé les sourcils. Pas de soucis. Dites-moi, Sacha, oui, avez-vous sur vous un... Enfin, sur vous. Oui, enfin, vous l'avez compris, dans vos affaires, un masque de gaz ? Non. Pour regarder les otages, on prend le deuxième. Non. Je vais vérifier, attendez, je vais vérifier. Bah oui. On peut en prendre 12. Je suis déjà à la Caillot, moi. Ah oui, pour le Rap Contenders. Tu as Lucille. Il nous faut un couteau. Mais vous n'en avez pas. Non, jamais le couteau. Et Claude. J'ai un masque du Covid, ça vous va ? Il y a un masque à gaz, Sacha. J'ai un masque du Covid. Un masque à gaz. Claude. J'ai un masque du Covid. Sacha, il nous faut un masque à gaz. Oui, mais je n'ai que des masques du Covid, ça vous va ? Claude bah n'a pas de couteau. Pourquoi ? Bon bah on avorte le plan. Pourquoi père ? Pourquoi ? Notre organisation est catastrophique. Père ! Bah notre organisation... On avorte le plan, on remettait le... Ne vous inquiétez pas, Sacha c'est bon. D'accord. Sacha c'est bon ! Oui ! Comment ça c'est nous le défaut ? C'est pas nous qui avons... C'est pas notre faute ça. Aïe ! Non mais vous n'avez... Oh, vous avez mal ? Oui. J'ai rien senti. Vous n'avez... Écoutez ! Oui. Non mais comment ça c'est pas vous le défaut ? Il y en a pas un d'entre vous, un picno d'entre vous qui a un couteau ? Mais comment voulez-vous qu'on en ait un si c'est vous qui les avez ? Moi j'ai un couteau si vous voulez, mais c'est le mien. C'est pas moi qui ai les couteaux, qu'est-ce que vous racontez ? Mais Catherine nous confisque toutes les armes à chaque fois. Comment ça, elle vous les confisque ? Attendez, je reviens. Bah, elle veut qu'on les range. On doit les garder, on doit les remettre dans le coffre à chaque fois. Bah oui, donc on les range. Ils sont où alors là ? Faut que je pose mon glock d'ailleurs. Nous, toutes les armes qu'on a eues, on les a toujours mis dans le coffre. Après, si elles disparaissent, bah dans celui-là. Et ça, mon casque, vous le trouvez honteux ou ça va ? Vous avez fouillé les frères Lambert, ils avaient des armes sur eux ? Non. Non, ils avaient rien. Bah non. On va aller à l'autre coffre alors. Mais y'a rien. Non, mais j'ai encore le pétard des Italiens. De drogue. Mais depuis quand Cato elle vous retire vos couteaux ? Qu'est-ce que vous racontez ? Non, elle nous demande de ça tout. Ça me ferait chier ranger, d'en racheter encore tout. Un nouveau poteau. Donc, si couteau, c'est trop chiant. Les a prises. Après je suis bien dedans. Cato avec trois. Je suis bien dedans. C'est l'essentiel non que je sois bien on dedans. On avait autant. Cato couteau n'a pas besoin d'elle. On avait un grand couteau et un petit couteau. On allait vérifier le coffre du bas. J'ai un couteau moi si j'avais un. Mais bon ça me ferait chier de vous le prêter si vous me le rendez pas. Il faut le masque à gaz. Ah oui. Mais on en avait des masques à gaz, on a déjà fait un braquage de bijouterie. Oui, mais ils l'ont passé à un handicapé. Ah. Zaketa. Et je crois qu'il est mort. Sinon, on va engager un gang pour le faire à notre place. Il y a un hélicoptère. Au moins, il y aura quelque chose. Il n'y a rien. Et ben dans ces cas-là, vous avez raison. Prenez avec vous un petit gang là qui a envie de se faire les jambes. Demandez-leur de trouver un masque à gaz et vous irez avec eux pour un peu d'action. Moi, d'accord perso, hier j'ai travaillé avec les Latin Kings. Donc je vous les déconseille. Oui, vu qu'on s'est terminé. Oui, c'est vraiment des clowns. Non, on va aller voir les Wu. J'ai confiance en eux. Oh, attendez, vous, c'est quelque chose qui peut être très drôle. Mais le OG s'est fait enfermer. On est les Allemands. Non. Les Allemands. Attendez. Je veux bien, mais je reste loin. Mais je leur dis quoi faire, mais je veux pas savoir. Comment allez-vous, monsieur ? Très bien, très bien, très bien. Allez, Sklar, et vous ? Ça va très bien. Dites-moi, vraie question. Est-ce que ça vous tenterait d'envoyer deux personnes
pour vous faire un peu d'argent sur une bijouterie. Quand est-ce que vous souhaitez organiser cela? Ouais, ça c'est... Ce soir. Ah mais Sacha, il a trop la cote, c'est bizarre. Non, c'est trop bizarre là ce qui se passe. Bah écoutez, je ne sais pas, vous me tendez des pièges. 23h. Parfait, bah écoutez, je vous enverrai deux messieurs. N'avez-vous des masques à gaz de qualité allemande? Non, ça sert à rien. Malheureusement, nein. Nous allons tout de suite contacter la KSSR tout de suite en Allemagne pour qu'elle puisse nous programmer un envoi de ce type de... Bah oui, contactez votre fournisseur, bah oui. Ya, bien évidemment. À très bientôt, Bernard, à très bientôt. Auf Wiedersehen. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre. Allez voir que les Allemands, c'est un sacré sketch. Je vous les déconseille. Bon, oui, mais le but, c'est qu'on se fasse pas choper, donc pourquoi nous prendre des sketchs? Mais non! Travaillez avec les Asian Boys! J'ai entendu parler d'eux! Non, sûrement pas. Ah! Si, les Asian Boys sont des gens plutôt corrects, on va dire. Oui, ils nous ont baisé une fois sur le prix. C'est des. Comment ça? La toute première fois, ils nous ont niqué sur le prix quand même. À vous dire que c'était bien $160 pour vendre un pochon. Ah oui, oui, oui. Vous savez, c'est les petits gangs de rue, le mensonge fait partie de la street, comme voilà. On dit. Oui. Les où bon, bah écoutez, démerdez-vous, mais faites quelque chose. Venez, Sacha! Oui, j'arrive, père. Messieurs. Wesh, 31 mois, Mikatrash. Merci, mon petit chaton. Non, mais wesh, je sais pas c'est quoi qui fait que Sacha il est à la côte. Pourtant, Riz et Sacha, c'est. C'est le même homme qui joue les deux persos, hein. Comme quoi, vous savez ça c'est quoi les frères? Ça c'est une leçon de la vie. Comme quoi, une partie de vous peut avoir la cote et une autre partie de vous ne peut ne pas avoir la cote. Ça fait réfléchir, hein. Terrible, qu'est-ce qu'on fait en deux? Allez-y, Sacha. Où est-ce qu'on va, père? On fonçait à toute berzingue. Où est-ce qu'on va? Où vous voulez, Sacha? Ben, je sais pas trop. Où est belle-mère? Vous avez besoin de belle-mère pour savoir où on va, hein? Non, juste, je me pose la question, normalement, tout le temps là. Elle va arriver, elle était en train de dormir. Ah ben... Elle a un petit peu de caca entre ses fesses. Elle a beaucoup dormi, celle-là. Ben oui, mais en même temps, elle a des diarrhées aiguës en ce moment, hein. Ah ben... Très question, très heureux de l'apprendre. Ben, il faut le savoir. Figurez-vous qu'elle est passée à côté de Rafi. Ah bon? Ouais. Elle a chié dans sa jupe en même temps. Moi j'ai passé un bon moment avec elle hier. Oh, c'est-à-dire? Ben on a beaucoup discuté elle et moi. Bah quel moment? Rien de bizarre hein père. Bah quel moment? Elle vous l'a dit, je sais très bien. À quel moment? Allô? Monsieur Sacha Pichon? Oui, qui est à l'appareil? Oui, bonsoir, je suis détective Savage de la Major Crime Division. Est-ce que je vous dérange? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous aurez quelques minutes à nous accorder? Nous aimerons discuter avec vous concernant certaines des personnes que vous pourriez connaître. Oui, via téléphone, je préfère. Téléphone? Est-ce qu'on pourrait faire ça de vive voix comme parce que c'est un petit peu délicat? Je suis à l'état d'arrestation? Absolument pas, mais non, on peut se rencontrer dans un lieu public, vous en faites pas, monsieur Pichon. Comment? On peut se rencontrer dans un lieu public, monsieur Pichon, n'ayez pas peur. Y a rien qui me dit que vous êtes vraiment un policier. Bah écoutez, oui, en effet, est-ce que vous voulez passer au poste, histoire que je vous montre, du coup, ma plaque et celle de mon collègue. Envoyez-moi votre plaque en photo. Bon, Sacha, allons-y, allons-y. Oui, votre plaque en photo et avec votre visage à côté, s'il vous plaît. Avec mon visage à côté? Oui. Ok. Bon, au pire, si vous voulez, je vous fais un FaceTime. Oui, faites-moi un FaceTime, oui. C'est la première fois que je fais un FaceTime, j'avais fait... Je vous rappelle, je vous rappelle. Oui. Non mais père, peut-être que c'est un honneur de go. Père, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais peut-être que c'est quoi, vous avez dit? Un donneur de go. Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui donne un go. Mais qu'est-ce qu'un go? Go. Ok. Allô? Oui, allô. Vous l'avez donné? Oui, comme vous pouvez, je suis dans au poste de police. Je sais pas si vous me voyez. Vous me voyez? Oui. Oh, c'est bien la technologie. Effectivement, vous avez une tête de keuf. Ouais, bah en plus je suis directement dans le poste de police, hein, donc... C'est à quel sujet? C'est à propos de certains de vos contacts, les frères Lambert. Vous connaissez les frères Lambert? Est-ce que... Je ne réponds pas à votre question pour le moment. Vous voulez pas répondre à cette question? Bah pas au téléphone.
D'accord, ok, mais où est-ce qu'on pourrait se rencontrer, monsieur Pichon, s'il vous plaît? Bah, je vais venir au commissariat, je viens avec mon avocat. Et bah, parfait. Bah, parfait, parfait, parfait. Si vous souhaitez venir avec votre avocat, vous êtes bon dans votre. Oui, je viens avec mon avocat. Très bien. Merci. A tout de suite, monsieur Pichon, on vous attend. Oh là là. Père, je vais aller en prison. Mais non, mais pourquoi vous iriez en prison? Bah, parce que c'est moi qui l'ai tué, Phil. Mais il peut pas remonter à vous, Sacha. Bah, qu'est-ce qu'on en sait? Bah, j'en sais rien. Vous êtes mon avocat, père, d'accord? D'accord. Ah! 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 Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites, Sacha? Ça va, hein? J'ai cru que j'allais m'évanouir, père. Oh, c'est encore le soleil. Oh, Sacha! Oui, père. Si jamais il commence à vous faire comprendre que vous irez en prison, courez. Non, ne rentrez pas dans le parking privé. Oui, c'est l'habitude, père. L'habitude de... Dans les jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, vous allez dans des parkings de policiers. Bah oui. Mais pour faire quoi? Pour les tuer, père. Vous êtes malade, vous tuez des policiers dans un jeu vidéo. Bah c'est un jeu vidéo. Bah oui, mais... Oui, on était à côté. Bonsoir, messieurs. Bah écoutez, tant mieux. Bonsoir, monsieur Pichon. Eh bah du coup, oui, forcément, vous allez venir avec votre père. Forcément. Bah oui, je suis son avocat. Oui. Vous allez bien, messieurs? Je ne répondrai pas à cette question. Oui, moi non plus. D'accord. Vous plaidez le cinquième amendement pour éviter l'auto-incrimination? Oui. Non, le cinquième, non. C'est celui qui me permet de sortir une arme et vous tuer tout de suite. Non, ça, non, pas du tout. Rien à voir du tout. À la limite, le plus proche, ce serait le second qui vous donne le droit d'avoir une arme, potentiellement, si vous respectez les lois de ce pays. Mais on n'en est pas là. On peut rentrer et discuter tranquillement? On peut discuter dehors? Oh, si vous préférez discuter dehors, mais il s'agit de sujets un petit peu particuliers. On aimerait éviter que des gens puissent écouter cette conversation, vous imaginez bien. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, on sert juste à avoir quelques informations de votre part, Sacha Pichon. Père. C'est rien de plus que des infos, vous inquiétez pas. Bon, allons-y. Oui, allons-y. Oh, vous avez intérêt à nous servir limonade et des petits menus. Alors, vu que vous n'êtes pas en état d'arrestation et que du coup, vos droits mirandais n'ont pas dehors, été lus... Alors, venez, Sacha. Quoi? Un café. Oui, un café, on peut avoir un café. Allez, un café. Elle est où la machine à café ici? Avez-vous du café, du caféiné? Alors, on va vous trouver ça, mais c'est... Vous savez qu'il y en a toujours un peu, hein. J'aimerais manger du poulet avec des waffles. J'aimerais une nuit avec Elisabeth Olsen. Je sais que vous en avez, c'est moi qui vous l'ai vendu. Si, vous en avez dans le frigo, juste à votre gauche. Elle est laide. Vous connaissez bien ça, comment ça, Elisabeth Olsen, elle est laide? Mais c'est pas... Dans le frigo à gauche, s'il vous plaît. Vous aurez du poulet, des waffles. Pas les sœurs. Oui, quand même, respectez-vous. Elisabeth Olsen n'est pas plus belle que les sœurs. Ah si. Je suis en enquête. On ne peut pas le même gabarit, hein. Bon, si vous voulez une française, madame Eva Green, voilà. Bon, je vous fais un café, je vous fais ça. Qui est-ce? Bon, vous avez passé une bonne soirée, monsieur? Oui, merci. Oui, impeccable. Tu refais un truc bien serré, Neil. Bon café. Excusez-moi, je suis un peu perturbé, je suis en deuil. Tenez, super un Pichon. Ah oui, figurez-vous que Sacha aimait énormément Phil. Les Lambert. Non, oui. surtout Phil. Oui, bien sûr. Vous voulez une limonade peut-être? Oui. Pas de café pour vous, du coup, Sacha? Je voudrais du poulet. Une petite limonade. J'ai pas de poulet, monsieur. Si, vous en avez regardez dans le frigo ici, là. J'ai un burger vegan. Regardez dans le frigo. Normalement, vous avez. On a pas accès à tout leur frigo. Vous avez du poulet. On travaille à l'office du shérif, monsieur Zbro. Du poulet, des waffles. Il y a même des desserts. Bon, enfin, on n'est pas là pour vous payer à manger, monsieur Pichon. On est là pour discuter concernant les frères. S'il vous plaît, je suis en deuil. Ça m'aiderait beaucoup à discuter. Ah, c'est vrai que parfois, parler l'estomac plein, c'est mieux. Exceptionnellement, monsieur. Tenez. Il n'y a rien de mieux que du bon poulet pour délier les langues. Merci, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, très bien. Je peux travailler au Dragon Kai, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. On reste ici ou pas, Neil, pour leur parler? Bon, ils se sentent à l'aise ici. Vous êtes bien, c'est moins formel. Oui, ça va. Ok. Parce que j'ai l'impression que cette histoire vous perturbe un petit peu. Vous avez pas envie, évidemment. On va pas vous mettre dans une salle d'interrogatoire. Non. Ça serait un petit peu désagréable. Merci. Bien sûr, jeune homme. Quel âge avez-vous, jeune homme? 25 ans. 25 ans, d'accord. Et ça fait un petit moment que vous êtes avec votre père, du coup. C'est votre père, j'imagine? Ça fait combien de temps, madame père? 2 mois, 3 mois. Le Santos? 6 mois, peut-être. Si longtemps. Oui, ça fait quelques mois, quelques semaines. Tout dépend. D'accord. Tout dépend de comment vous voyez le temps passer. D'accord. En général, de manière linéaire et tout à fait normale avec ma montre. Mais d'accord. Quelle était votre relation avec les frères Lambert et notamment plus spécifiquement du coup William Lambert?
Eh bien, c'était des amis de la famille. J'avais pas spécifiquement de relation avec Will, je dois vous l'avouer. Moi, j'étais plus proche de Phil. Il me faisait rire parce qu'il était gros. C'est pourquoi vous aimez pas les gens qui sont gros ? Si, non, justement, si, j'avais beaucoup d'affection pour lui parce qu'il était gros, ça me faisait rire. Oui, les gros vous font rire, c'est ça que vous êtes en train de dire, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Non, il n'y a pas de café. J'ai l'impression que vous posez des questions comme si mon fils lui aurait collé une balle dans la tête du haut d'une falaise. C'est ridicule. Je vous demande pardon, monsieur. C'est bizarre comme remarque, monsieur Pichon. Mais non, mais non, c'est la manière dont vous posez les questions. Bah oui. Ah, c'est une métaphore, j'ai pas compris le sens de la métaphore. Excusez-moi. Donc allez-y doucement. Quelles étaient vos relations exactement au-delà du fait qu'il vous faisait rire parce qu'il était gros ? Phil, du coup ? Avec Phil, oui, en effet. Bah écoutez, on a rien partagé de bien fou, hein, lui et moi. Parce que vous parlez au passé de lui, donc vous savez quelque chose que je ne sais pas. Je n'ai plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles de lui depuis. C'est vrai, ça, Sacha, vous savez. Oui, ben on a plus. On a plus. Votre père a commis la même faute grammaticale. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Oui, allez-y. Will, on vous écoute. Will est décédé. Vous l'accordez. On est d'accord. Absolument, monsieur Pichon. Sauf que malheureusement, moi, je vais vous dire la vérité. Voilà comment je vois les choses. Will et Phil étaient tout le temps ensemble. Il y a deux théories possibles. D'accord ? Uniquement deux. Soit Will. Les Italiens. Non. Si, les Italiens. Mais non. Laissez-moi parler. Soit Phil a tué Will, et dans ce cas, je le considère comme mort car c'est un traître et un sale connard. Soit Will et Phil sont morts en même temps. Donc dans les deux cas, Phil est également mort. Vous pensez pas qu'il pourrait y avoir d'autres solutions ? Vous avez l'air certain quand même, hein. Ils étaient tout le temps ensemble. Oui, tout le temps, comme tic et tac. Mais ils s'entendaient bien ou c'était explosif ? Ouais, voilà. Non, ils étaient meilleurs amis. Hein. Enfin, en tout cas, attention, ne prenez pas mes paroles comme la vérité absolue. Moi, je vous décris ce que je voyais de mon point de vue à moi. D'accord. Mais ils avaient l'air d'être très proches. Et vous étiez amis avec eux ? J'étais c'est pas ami que j'étais connaissance plus. C'était avant, comme un frère pour lui. Non. Avant d'être pote, mais plus que connaissance, vous comprenez ? Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles avec Philippe Lambert ? Non. Bon, Sacha. Bah non. Bon, non, mais le ton, la petite soirée. Je suis obligé de vous demander parce que... Vous pouvez le dire, hein, vous inquiétez pas. Oui, dites-le, Sacha. Non, aucun jugement, hein, vous savez. Bah oui, non, ils sont ouverts, ça mais se non, voit qu'ils sont mais ouverts. Non, j'ai déjà eu une relation sexuelle avec Will. Le monsieur là-bas en face de moi, il me l'a quéquette, il nous l'a dit hier. Eh, très bien, je suis très content pour lui. Ben oui, mais Sacha, c'est pas une honte d'aimer la quéquette. Pourquoi non, vous me demandez ça ? Parce que la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est parce qu'on a discuté avec quelqu'un qui potentiellement était dans relation passée avec vous et qui nous a évoqué votre potentielle homosexualité. Donc c'est pour ça que je me permets de demander si Montgomery. La relation que vous aviez... Exactement. Oui, Montgomery, absolument. Je n'ai pas eu de relation avec Montgomery. Bonsoir madame. Mais donc vous n'avez pas eu de relation non plus sexuelle, d'ordre sexuel Non, ni avec Phil, ni avec Montgomery, ni avec Will, ni avec personne d'autre du sexe masculin. Je suis hétéro. Pourquoi il dit ça alors, Montgomery, alors que vous avez eu Il est amoureux passé, de moi. Il est amoureux de moi, mais le problème n'est pas là. Parlez-moi d'Alembert, pas de Montgomery. D'accord. Bah écoutez, on va vous parler de ce qui nous chante, monsieur Pichon, je vous en prie. Ah oui, je répondrai ce que je connais comme parole, si vous voulez me chanter bien ce que sûr. Vous voulez. Évidemment. N'oubliez pas les paroles, dans tous les cas. Concernant, du coup, les frères Lambert, de manière générale, vous étiez pas tellement proches, mais vous les connaissiez. Est-ce que vous sortiez en soirée ? Est-ce que vous étiez collègues, amis ? Est-ce que vous partagiez un petit peu de votre quotidien ensemble ou non. Juste vous viviez dans la même maison ? Non, c'était des amis de la famille. Donc du coup, vu que c'est la famille, on était amené à se côtoyer. Mais sinon, il n'y avait rien de personnel entre eux et moi. Quoi. Jamais de travail, par exemple. J'ai une autre question à vous poser. Oui. Vous posez vous beaucoup de questions. Vous avez des problèmes avec certaines personnes ou pas du tout ? Des problèmes avec certaines personnes, c'est-à-dire ? Avec les Italiens. Père. Par les Italiens. Ah, oui. Mais non, mais père fait un blocage. Père fait un blocage sur les Italiens depuis la Coupe du Monde 2006. Voilà. Depuis 2006, il a un blocage avec les Italiens. Nous sommes français. Ouais, du monde parce qu'ils m'ont servi une pizza calzone. Et les calzones, c'est une honte. Oh, merde. C'est mon ex. Bonjour, monsieur Pichon. Mais je ne suis pas ton ex. Mais si, voilà bébé. T'as juste le seum parce que je t'ai largué. Non, Sacha, vous allez pas laisser passer ça. J'en ai rien à foutre. Je ne rentrerai pas dans son jeu. Donc, je disais... pas de problème avec d'autres personnes à part les Italiens après cette Coupe du Monde. J'ai eu fut un temps des problèmes avec un gang
Italien. Non, non, pas les Italiens. Laissez-le parler, monsieur Bernard Pichon, je vous en supplie, parce que pour le moment, vous êtes en train de mettre des mots dans sa bouche. S'il avait enterré l'un de nos frères vivants, c'est ridicule. Je suis... Ne vous inquiétez pas, mon père n'influencera en rien mon discours. J'ai eu des problèmes avec un gang parce que je vous ai mentionné sur Twitter. Je sais plus comment il s'appelait. Je crois qu'ils sont tous morts. À quel niveau, c'est quel genre de problème? Ils vous ont contacté, vous ont menacé? Non, il m'avait pris en otage, mais en face de vous, il y avait la police. Ah oui, d'accord. J'étais un genou par terre, je hurlais. Oui, il hurlait beaucoup. Ah oui, à l'époque des G-Boys, c'était... Les G-Boys, c'est ça. Et messieurs Lambert n'avaient pas de problème? Oh, si, avec les Italiens. Je n'en sais rien. Dites-lui, Sacha. Je suis désolé, je n'ai pas assez d'informations à ce sujet. Ok, donc ouais, votre relation était très vague. Oui, vraiment. Au revoir et puis voilà. En fait... En parlant de vague, qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'un des corps a été jeté à la mer? L'un des corps a été jeté à la mer et l'autre abandonné dans la forêt. Mais c'est horrible! L'autre? Dans la tête et le corps. L'autre? Quel autre? Mais vous l'avez retrouvé, l'autre? Oui, on peut vous confirmer malheureusement que Philippe Lambert a été retrouvé. Et vous jouez avec mes sentiments? Vous m'avez laissé espérer qu'il était vivant? Nous prêchons le faux pour avoir le vrai, vous imaginez bien mais que vous êtes un monstre suffisamment complexe. Ah, vous êtes un monstre avec monsieur. Votre moustache dégueulasse. Vous êtes un monstre. Oui, un monstre avec votre moustache épaisse et c'est moche. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, monsieur Pichon, je vous en prie de baisser d'un ton quand même. C'est quand même vachement désagréable de vous entendre critiquer ma moustache quand on voit la gueule de la vôtre. Attendez, madame. Je ne vous permets pas de parler comme ça, mon père. Oui, merci, Sacha. Mon collègue n'a pas tort, s'il vous plaît. Bon, à partir du moment qui sème le vent récolte la tempête, monsieur Pichon. Concernant votre relation avec les frères Lambert, est-ce que vous aviez quelconque information concernant certaines de leurs activités, pourquoi pas nocturnes? Écoutez, je vais vous dire la vérité, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre le personnage que je suis. Mais oui, dis-lui. Je savais que l'un s'appelait Phil parce qu'il était gros et que ça m'avait marqué. Je ne savais même plus comment s'appelait le deuxième. Je ne les connaissais pas tant que ça. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Je ne sais même pas si j'avais leur numéro de téléphone, pour être honnête avec vous. Philippe et William Lambert. Oui, voilà. Phil. Moi, je l'appelais D'accord, Phil. Très bien. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Je suis désolé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fréquentait. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Les Italiens. Oh. Bon, monsieur Pichon, concernant ces Italiens, vous avez des noms ou pas? Vous avez des noms ou pas? Mais non, il parle des Italiens de manière générale. Oui, Marco Materazzi, lui c'est un des plus grands amis de mon père. Oui, je connais. Oui, bah, j'imagine, oui, mais en même temps c'est un trou du cul. Coup de boule, très bien. Oui. Ok, bon écoutez... Ce sera tout pour moi. C'est tout pour moi. Par contre, monsieur Sacha Pichon, vous n'êtes pas encodé dans notre système. Vous savez qu'il faut être encodé auprès de notre système. Encodé, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre une photographie de vous, recensement avec votre numéro de téléphone, adresse. Ça, c'est les Illuminati, c'est les francs-maçons. Vous voulez tous nous ficher et nous mettre des puces dans le corps, je refuse. Rien à voir. Je suis reptilien. Sacha, les francs-maçons, c'est européen. Arrête avec ça, Nietzsche, j'ai déjà dit. Ici, c'est les Illuminati. Oui, moi, je suis j'ai vu, rien à voir avec j'ai vu les billets de 1 dollar. Je les ai vus, les billets de 1 dollar. J'ai vu la pyramide avec l'œil au milieu. Vous ne mettrez pas de puces dans mon corps. Faut pas avoir. Pas avoir peur. Bon, prenez-le en photo vite fait. Non, je m'en vais. Au revoir. Bon, monsieur Pichon, vous savez que vous pouvez payer une amende pour ça. Oh, il a bégayé. C'est amendable, monsieur Pichon, je vous préviens. Eh ben, je préfère payer l'amende. Eh ben, vous paierez une amende si on vous retrouve, monsieur. Content d'avoir pu vous aider, au revoir. Je vous raccompagne juste, sortez à gauche ici, ça sera très bien. Dites voir, est-ce que vous avez retrouvé des téléphones sur eux? Je n'ai pas le droit de vous communiquer ces infos, monsieur. Pour le moment, en tout cas. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quand est-ce qu'on pourra disposer des corps pour l'enterrement? On vous tiendra informé, vous inquiétez pas. Bien sûr. Bonne soirée à vous. Mais oui. Ah, mais père, c'est pas possible, hein. Dites-moi. Non, mais c'est pas possible, père. Dites-moi. Mais père, vous voulez que j'aille en prison? Pourquoi? C'est quoi ces insinuations? Oui, mais une balle dans la tête, au bord de la falaise, un dans la mer, un enterré. Je vous ai sauvé la vie. Mais non, c'est vous, père. Vous avez vu d'ailleurs, elle a validé ma version. Bah oui, mais c'est bizarre, père, que vous en sachiez trop. Bah oui, c'est pas con ça. Bah oui, père. Taisez-vous. Oui, mais j'ai pris mon rôle d'avocat trop au sérieux. Okay. Bah oui, mais là c'était pas mon avocat, là c'était. Mais j'ai pris mon rôle d'avocat pour Mon avocat caca. J'ai pas compris. Vous avez pué la merde. Non, c'est pas gentil. Oubliez pas que vous avez dit, je cite, je baisse ta mère, la pute à moi. Non, ta grand-mère, père. Ta grand-mère. Ah non, ta mère.
Faites attention, il y a un véhicule très oui. J'étais en train de les grenades là, ne vous inquiétez pas. C'est pas conduire. Oh, calmez-vous, monsieur. Oh, fermez votre grande gueule. Oh. Vous les avez énervés. Ils vont nous attendre à la sortie, comme à l'école. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Non, mais bonsoir. Attends. Raccrochez ce téléphone, je suis un client. Le client est roi. C'est quoi, t'as eu là. Mais attendez, je me concentre pour pas m'uriner dessus. Je vais au LS Custom, ça continue. J'irai au LS Custom, ça continue. Non, c'est bon. Bonjour, monsieur. Ne vous inquiétez pas, tranquille. Bonjour. Oui. J'aimerais que vous nettoyiez ma voiture, s'il vous plaît. D'accord, vous avez besoin d'une réparation? Ouais, une petite, mais y'a quasiment rien, franchement. Y'a quasiment rien. Ne me scammez pas sur le prix. Pas de problème. Je vous ferai juste payer la prestation du nettoyage et de la réparation. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée. Vous excusez pas, hein. Vous avez le droit de rire. Ouais, c'est vraiment drôle. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Regardez sur votre téléphone dans News, si vous avez pas vu la notif, il y a des gens, ils cherchent du taf. Je pense que ça pourrait peut-être... Enfin, si vous avez besoin de taf, je pense que ça pourrait vous aller. Nous recherchons deux danseuses. Ouais. Bonsoir, jeune pimbèche, qui êtes-vous? Non, père. Quoi? Mais attendez, c'est moi la pimbèche, là? Excusez-moi, monsieur, je fais à qui la facture? Non, en fait, à mon père. Mais attendez, mais je vous connais, vous, en fait. Moi? Tu me connais d'où? T'es qui, toi? Comment je t'appelle? Oui, vous êtes qui? Moi, je m'appelle JC. JC? Ouais. J-A-Y-C-E-E. C'est ridicule comme nom. Et d'où tu me connais? Vous avez tenté de m'écraser un jour. Mais malheureusement, je suis plus résistante. Ah oui! Ah oui, dis donc. Je suis désolé, JC. C'est courte. C'est vrai, je suis désolé. Oui. Bon, merci. Désolé, ça va. Bonne soirée à vous, au revoir. On fait la paix? Oui. Allez, on fait la paix. Par contre, j'essayais plus de m'écraser. Serre-moi la pince. Allez, je te serre la pince. Mais oui, attends, on a pas mal sur Tinder, toi et moi? Je suis pas une meuf de Tinder, moi. Désolé. Ah oui. Ah oui, t'es une meuf de quoi? Bah, je suis une meuf de la vie réelle, moi. Je suis pas une meuf des réseaux. Ah ouais, bah là, toi et moi, on est dans la vie réelle, là. Ouais. Bah, vas-y. Bah, vas-y quoi? Bah, vas-y. Drague-moi. Mais c'est quoi, c'est un date? Bah non, bah vas-y. Mais genre, j'ai 5 minutes pour te convaincre. Vu que t'es une meuf de la vie réelle, vas-y, je veux voir. Ouais, mais t'es carrément pas mon genre. Je suis pas ton genre, moi. Pardon. Non. Mon fils n'est pas votre genre. C'est votre fils? C'est ton père. Alors franchement, avoir un beau père comme ça, je suis arrivée, il m'a appelé pimbèche. Qu'est-ce qu'elle a encore, cette pimbèche? Je suis pas ton style, moi. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment parti sur des bonnes bases, quoi. Du coup, écoutez, les beaux-pères envahissants, c'est comme les belles-mères envahissantes, elles sont jalouses et tout, c'est grave chiant. Vous entendez, père, vous me gâchez mes relations. Ouais, je pense que c'est pas bien pour votre fils, hein. C'est là, imaginez, j'aurais été intéressée, boum, vous avez raté. Est-ce que vous étiez vraiment intéressée par Sacha? Non, mais si je l'avais été. Oh là. Et bah voilà, nickel. Bon, Sacha. Eh ben écoutez, JC, ravi de vous avoir vu en tout cas. Ouais, ravi aussi de vous avoir rencontré. Au revoir, vous avez payé la facture, c'est bon? Au revoir. Bah oui. Père, vous me gâchez toutes mes chances. Non, arrêtez. Mais elle était mignonne. Mais j'ai rien dit. Mais vous l'avez appelée pimbèche. Mais alors, c'est quoi une petite pimbèche? Père. Bah oui, bah dites-moi. Faut pas chuter les gens de pimbèche. Mais oui, mais il faut que vous arrêtiez de draguer toutes les femmes que vous croisez. Père, attention, elle pourrait mal le prendre. Oh, arrêtez! Qui peut prendre ce. Qui arrive? Vous êtes moqué de moi? Oui, père. Sortez de ce véhicule! Sortez de ce véhicule! Mais c'est ma voiture! C'est vous qui allez sortir! Sortez de ce véhicule! Sortez, Sacha! Sortez du véhicule! Mais pourquoi, père? Attends, mais on comment va discuter entre hommes. Entre fils et père. Regardez-moi bien dans les yeux et osez me répéter ce que vous m'avez dit. Très bien. Vous allez où, père? Ramenez-moi la villa. Et père? Ramenez-moi la villa. Ça peut arriver à n'importe qui de bégayer, père. Ce soir, vous retournerez dans votre hôtel. Non, père, pardon!
Je ne voulais pas, mais ça me faisait rire. Vous avez tout le temps. Mais jusqu'à ce que Katou revienne, c'est-à-dire pendant une semaine. Mais non, vous avez tout le temps une éloquence fascinante. C'est pour ça que je me suis permis de rire une fois, pour une fois que je pouvais. Regardez-moi, je bégaye tout le temps, je ne sais pas parler. Vous insinuez que j'ai bégayé ? Non, père. Vous insinuez que Bernard Pichon bégaye ? Bien sûr que non, père. Je ne l'insinuais pas. Ah, dites-moi alors. Je l'ai imité plutôt que insinué. D'accord. Ça ne saurait se reproduire, d'accord ? Ramenez-moi à la villa. Oui, je vous ramène à la villa. Vous allez braquer une bijouterie du coup ? Je vais discuter avec Katou de ce qu'on va faire de vous pendant la semaine où elle n'est pas là. Bah rien. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire de moi en particulier ? Les clés de la villa. Mais non. Si, Sacha. Mais père, je vous trouve. Ce n'est pas vous qui décide. Ce n'est pas vous qui décide. Père, qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Je refuse de communiquer avec vous. Vous boudez. Père. Allez plus vite que ça. Mais oui, je suis à fond. Oui, allô. Mon petit Chicoré. Oui, qui est à l'appareil? Je voulais dire que t'étais un beau gros connard. Qui est à l'appareil? Oui. C'est ton ex, mon Gamri. Je voulais juste te dire que t'es un beau gros connard à pas assumer la relation qu'on avait eu, chouchou. Et je regrette absolument pas de me taper les bourguignons, sache-le. Petit puceau. Je suis très content pour toi, mon Gamri. Blondasse. J'espère que les bourguignons arriveront à te faire m'oublier, ça m'arrangerait. Ouais, c'est ça, petite blondasse, ouais. Je voulais juste te dire ça, gros connard. D'accord. Au revoir, mon Gamri. Vous savez, il n'a pas eu tort sur un point. Blondasse ? Non, gros connard. Ah. Elle est où, Dita, poteau ? Elle vient. Déposez-moi devant la villa. Oui, de toute façon, je rentre. Non. Si. Vous ne rentrez pas. Non. Vous me déposez devant la villa. Sortez du véhicule. Donnez-moi les clés de la villa. Je ne les ai pas sur moi. Donnez-moi les clés de la villa, Sacha. Mais père, non ! Sacha ! J'ai toutes mes affaires dedans ! Sacha, cela ne me regarde pas. Donnez-moi les clés de la villa. Non, père. Sacha ? Oui. Très bien. Ne rentrez pas dans cette villa, Sacha. Père, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Vous allez le regretter. Père, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Sacha ? Oui. Ne rentrez pas dans cette villa. Laissez-moi au moins récupérer mes affaires. Père, s'il vous plaît, je vous ai juste imité, c'est pas la mort quand même, père. On est en train de construire des belles relations, vous et moi. Père. Vous laissez votre père marcher pendant que vous êtes en voiture, c'est ça? Je ne suis pas à votre niveau. C'est ce que vous êtes en train d'insinuer, père... Sacha, je ne suis pas à votre niveau. Père, je vous demande pour pardon. Marcher à côté est-ce, moi. Que, est-ce que vous acceptez mes excuses, père? Je ne sais pas. Je suis sûr que vous trouverez... On va discuter avec Katou. Vous trouverez dans votre cœur la force de pardonner, j'en suis sûr. Si seulement t'étais encore avec nous. Fascinant. Putain, mais j'ai pas le numéro des Italiens. Sacha. Oui, père. J'aimerais que vous fassiez quelque chose. Dites-moi. Bon, déjà, il y a un intrus dans le jardin. Qui est-elle ? Qui êtes-vous ? Pardon. Attendez, mais on ne rentre pas chez les gens comme ça, surtout pas pour boire un café. Madame, veuillez quitter, s'il vous plaît, cet établissement. Madame, vous êtes... Je connais mes lois, madame. Ah, yeah, père ! J'ai dit d'arrêter le téléphone. Pardon. Sur des écrans. Je suis désolé. Aïe. J'étais à l'œil. Vous cognez, hein ? Ben oui, j'ai encore un revers, hein. Allez, madame, vous commencez à casser les couilles, là. Allez, on dégage, oust. Donnez-moi votre sac. Courez. Et courez où? On est chez nous, père. Voilà. Il faut pas qu'il me voie. Oui. Elle est partie en courant. Père, quand il n'y a pas Katou, je vous trouve très bizarre. Mais pourquoi donc? Je dirais que vous êtes perdu. Mais non, mais on s'en sort comme on peut. Elle est toujours pas là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Laissez-moi me concentrer, Sacha, s'il vous plaît. Oui.
C'est un sac à double sécurité. Non, c'est pas vrai. Je sais plus c'est quoi le numéro des Italiens de merde. Et quelle idée de faire des épingles à nourrice qui tiennent pas. Oui. Il y a un coup à prendre. Alors ? Oh, un collier de perles. Oh, pas mal. Je l'offrirai à Katou. Sacha. Oui, père. Est-ce que vous voulez... Comment dire ? Est-ce que vous voulez prouver certaines choses à Katou avant son retour ? C'est-à-dire, prouver quoi ? J'aimerais vous mettre au défi. Si vous y tenez. Est-ce que vous seriez capable de tuer un membre de la famille italienne ? Ce soir ? Non, pas ce soir, Sacha, tout de même. Mais vous avez une semaine. Je... Oh, dites-moi la personne la plus proche de Dita dans sa famille. Allez. J'ai oublié son prénom. Eh ben, vous savez quoi ? Appelez-la, tout de suite. Mettez-le au parleur. Ah oui, j'ai essayé, elle répond pas. Oh, la garce. Non, elle répond pas. Mais je peux me renseigner pour savoir c'est qui son préféré. Ok, vous vous renseignez pour savoir qui est le membre de sa famille préférée. Et vous aurez une semaine pour le tuer. Putain. Et vous avez pas dit que vous vouliez éviter les Italiens ? Bah, vous savez, y a rien de plus facile que d'éviter un mort. C'est vrai. Oui, Sacha, hein, bah oui. Tout ce qui... Oh, Katou ! Oh, oui. Katou ! Oui, je le savais. Ça va, venez, Katou, ça va, Katou, ça va, ça va, ça va, oui, ça va, hein. Sure, oui. Tu vas bien, Katou, hein, tu vas bien. Oui. Oui, tu vas bien. Et vous, Sacha, vous allez... Oui, Sacha ? Oui, non, rien, c'est bon, ça va, Katou. Oh, Sacha, pourquoi parlez-vous comme ça à votre belle-mère ? C'était quoi ces messages, Sacha ? Oh, lesquels ? Sacha ? Lesquels ? Vous aviez dit le P-word, Katou, et vous avez trahi. Quoi ? Vous aviez dit le P-word, Katou, hein ? Bah... Je vous ai promis. Ouais. Mm-hmm. Mais, attendez, mais que se passe-t-il ? Dites-moi. Sacha m'a fait promettre de ne rien vous dire pour hier. Bah, vous ne m'avez rien dit. Bah voilà. Bah, Sacha... Mais bien sûr. C'est vous qui me l'avez dit, Sacha. Oui, vos questions étaient trop bien orientées pour que Katou ne vous ait rien dit. Et comment ça, orienté sur quoi, Sacha ? Dita, un nouvel appartement ? Non ? Alors, vous avez passé la nuit avec Dita dans ce nouvel appartement ? Vous pouviez pas l'inventer, sa père ? Mais je suis un très bon avocat. Mais c'est ce que vous avez dit hier, bah oui. Sacha. Ah bon ? Bah oui. Ah non, j'ai jamais vous dit ça à père. Allez... Si, vous avez dit que vous alliez passer la soirée avec Dita quand nous étions à l'hôpital. Vous vous êtes cramé tout seul. Ça t'embouche un coin, un petit con, hein. Bon, ouais. Attends-moi ta grande gueule. Où est-ce qu'on va et qu'est-ce que vous mangez, père ? J'ai trouvé un petit biscuit dans le siège arrière. Hop, j'ai fait m'étouffer avec. Oh, donnez-moi un petit bout. Tenez. Mmh, peut-être merci. Que c'est très sec. Ah bon ? C'est des Monts Saint-Michel, oh putain. Oui, je l'avais posé ici il y a une semaine, j'avais oublié de le sortir. Oh, il a pris le soleil, dites donc. Oui, c'est vrai qu'il est très sec. Oui, c'est devenu une brique. Eh ben, mm-hmm. Il croustille plus. Père, où est-ce qu'on va ? Sacha, allons là où la vie nous guide. Mais non, vous allez voir JC. Il est en train de m'envoyer une position. Allô, Bergerjot. Oui, allô. Ouais, allô. C'est bien le mec à Dita que j'ai au téléphone. Oui, c'est moi. Je suis quelqu'un, un ami à elle, je récupère notre dû. Oui. Tu l'as ? Oui. Ce qu'on t'a prêté hier. Bien sûr. Ok, t'es disponible dans combien de temps ? C'est bizarre qu'il ait retiré l'eau. Pas de suite. Ok. Il est en train de nous cacher quelque chose. Pas de suite, et dans combien de temps du coup ? Évidemment. Je suis en train une heure. Après, je vais une heure par là. Oh, dans une heure, il a pris quelque chose. C'est bon ? On va faire en sorte de le suivre pendant super. Deux heures. Super, merci. Okay. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ah. Sacha. Oui. Pour le départ de Katou, on aimerait passer toute la soirée avec vous.
Avec grand plaisir, père. Mm-hmm. Père, où est-ce qu'on va? Oh, Burger Shot. Ok, on va. Deux fois que je vous le dis. On va le Dragon Kai. Vous m'envoyez ravir à vouloir passer la soirée entière avec moi, père. Bah oui, c'est la dernière fois que vous voyez Katou, peut-être. Ok, no problem. Mais non, Katou, vous allez revenir. Comment? Vous allez revenir. Oui. Oui, dites-moi. Si vous voulez, tête dehors. Mais c'est circulé, la putain de savoir ça. Comment? J'en ai aucune idée. Appelez votre mère. Pardon? Ici et vous. Mais on l'a pas acheté. Faut que je change ma résistance de CE. Mais pourquoi? Mais appelez-le et demandez-lui s'il a un bon plan pour ça. Essuie-glace. Allez, sortez-vous les doigts du cul. Masterclass. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans nous Les bourguillons. C'était qui? Oh non, c'était Claude. Ah. Que voulait-il? Comme d'habitude. Péché? À peu près ça. Ah. Un Katou. Mm-hmm. Oh, dans la nuit, je ne vous cache pas que vous avez lâché une flatulence. Ah oui? Bah oui, j'ai dû aller dormir avec les bourguignons. Ah oui, à ce point. Ah, ça a collé les draps. Oui, MVP. Attendez. Pourquoi elle me répond pas celle-là? Et attends, et où est-ce qu'elles sont mes résistances? Oh putain, je les ai vues il y a pas longtemps. Ah oui, elles sont là. Ok, attendez, je prends du sopalin. Ah ok, ok. Mm-hmm. Ok. Vous avez le numéro de mon mari? Qu'est-ce que je vous sers? Il faudra le contacter lui, je ne serai pas aux États-Unis. Oh, quelques jours, mais... Oh, Sacha, mettez-moi 5 menus, s'il vous plaît. J'ai pas de menu. Comment ça? J'ai tout vendu à la police, j'ai plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fout là? Il me reste des frites. Il me reste des boissons. Et des desserts. C'est combien la boisson? Je vous... Père, je vous fais gratuit. Oh, 5 boissons, alors. Mm-hmm, exactly. Non pas en Afrique, en France. Tenez, père. Non, c'était une saisie. Mm. Oh bah tiens. Ah bah tiens. Rebonsoir. Rebonsoir. Pourtant, j'ai pas fait d'annonce comme quoi c'était ouvert. Ah bah non, mais on est passé, on a vu les voitures devant, j'ai dit ça doit être ouvert. Autant pour moi, si vous êtes fermé. Non, pas du tout, c'est bon, mais j'ai j'ai plus grand chose. Donc on est rentré. Ah vous avez plus grand chose. Vous avez quoi? J'ai de quoi vous nourrir, mais j'ai pas de plat en fait. Ok, bah vous avez quoi nous proposer, s'il vous plaît? Alors, j'ai des frites. D'accord. Des onion rings. Ouais. Et des desserts. Oula, la voiture devant. Des boissons. Bah je vais vous prendre deux frites, deux onion rings et un dessert, s'il vous plaît. Ah oui, ça marche. Venez avec moi, du coup j'ai envie de voir. Je vais vous prendre 6 onion rings, s'il vous plaît. Attendez, madame, chacun son tour. Deux frites, deux onion rings. Excusez-moi, les dames d'abord, normalement. Oui, bon, écoutez. Oui, c'est bien ce que c'est bien ce que tu fais du coup, Jarod. Oui, il travaille dur hein, pour se l'acheter. C'est un bon enfant, comment? Pardon, Elise, j'ai oublié les principes. Bon, je l'ai pas arnaqué. Oui, ça vaut... C'est bon, j'en ai plus rien. 120$ Parfait, c'est pas cher. Ah ouais, mais on a pas des vrais menus, sinon c'est plus cher. Hein. Bah oui, il en faut... C'est combien un menu? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez, madame? 6 onion rings, s'il vous plaît. 6 onion rings. Vous faites tomber la facture, monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme boisson? Alors, j'ai du soda milkilis, du soda ramune, du soda pastèque. Sinon, j'ai du soju, c'est un alcool, il est délicieux. Non, je bois pas d'alcool, en tout cas pas en service. Je vais prendre soda pastèque. Il est très léger, combien?
2. 2. S'il vous plaît. C'est monsieur qui paye ? Faites-moi la facture. Oui, c'est moi qui paye. Pas de problème. Je suis très bien payé, Gérard. C'est pas question de ça. Monsieur c'est veut payer, monsieur veut payer. Malpolitesse. Voilà. Merci bien, monsieur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, du coup, Sacha. Avec grand plaisir, madame. Passez une agréable soirée. Et vous de même. Merci. Attendez, attendez, faut que je change ma résistance. Plus rien de spécial, t'es devenu banal comme billet de 500. Non mais j'ai moins besoin d'arnaquer maintenant que je suis riche. Enfin que je suis riche. Dragon Kai est riche en vrai de vrai. Moi je suis pas riche hein. Et je parle pas de du mec dans Jumanji. Sacha. Oui père. Vous allez rester debout comme ça pendant attendez, non je cuisine là, une seconde. Et comment ça vous cuisinez? Bah je suis en train de cuisiner. On doit y aller. Une minute, même pas une minute. Et vous cuisinez quoi là? Une petite salade de carottes. Je mets du liquide dans mon plat électronique. Oui, bah faites vite alors. Oui, je fais au plus vite. Et d'où sort ce liquide, Sacha? Parce que je vois aucune bouteille là sur le comptoir. Vous n'avez pas envie de savoir d'où sort ce liquide, père? Non. Ok, c'est bon. Hop. La sauce magique. Thanks. Par contre, c'est bizarre qu'il n'aimerait pas. J'ai pas grand chose à dire d'autre à part qu'il était une très bonne personne. Très bien. Eh ben, on va pas vous embêter plus longtemps. Bon deuil à vous et merci. Bonne soirée. Ah ouais, mangez tranquille. Sacha, je peux vous parler votre voiture. Vous êtes amateur de véhicules. Oui. Ah, et vous avez une sacrée bagnole. Il y a moyen que je monte dedans. Elle est quand même sacrément jolie votre voiture. Non, merci, monsieur. Ah, vous la vendez pas? Non, mais en plus votre jean est tout dégueulasse. Vos chaussures elles sont toutes dégueulasses. Vous allez me dégueulasser ma voiture, donc non, merci. C'est pas dégueulasse, c'est usé, monsieur. Oui, bon. Oh, okay, c'est pour combien ce genre de véhicule? Je l'ai acheté d'occasion. Ah ouais? Oui. Vous posez beaucoup de questions. Ah oui! Ah oui! Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre que Sacha aurait tué l'un des frères, Lambert? J'en ai marre, père, s'il vous plaît! Non mais je les travaille, ne vous inquiétez pas, c'est mon rôle d'avocat! Alors d'ailleurs en parlant de ça, monsieur Bernard Pichon, vous savez que vous ne pouvez pas exercer, vous n'avez pas passé le barreau. Allons-y, Sacha, on a attendu. Est-ce que vous savez où est Yuna? Parce que son téléphone sonne, mais elle répond pas. C'est une policière, c'est une de vos collègues. Oui, elle est probablement en service. Ah, ok. D'accord. Elle est occupée, oui. Vous pouvez vous assurer qu'elle va bien? Vous l'avez acheté où, votre voiture? Appelez-moi, monsieur Pichon. Vous m'énervez. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, d'accord. Mais vous l'avez payé cher, parce que moi, je voulais m'acheter quelque chose de bien comme ça. Oui, je l'ai payé très cher, $1 million. $1 million que j'ai eu grâce à... $1 million? Oui, j'ai eu $1 million en vendant des stupes et en tuant les Lambert. Mm-hmm. Laissez-moi tranquille maintenant. Avec même pour la vanne, je pourrais vous mettre pour... Mais oui, mais bon, vous êtes chiant, monsieur, vous êtes chiant. Mais on doit aller récupérer 10 tableaux, vite fait. Excusez-moi, il y a deux morts dans votre entourage, vous voulez pas qu'on résolve cette affaire? Vous êtes bien... Qu'on résolve, monsieur, cette affaire. Oui. Si, mais vous en prenez aux mauvaises personnes, là. Vous embêtez les mauvaises personnes. Ouais, le problème c'est que vous ne donnez pas beaucoup d'informations. Et j'en ai pas. Si j'en avais, je vous en aurais donné, monsieur Phil, c'était comme mon frère, enfin comme un frère éloigné, un demi-frère. Bah je sais pas, vous me dites ça et puis après vous me dites que vous connaissez juste parce qu'il était gros et vous faisait rire. Oui. Vous changez un peu, vous changez un peu de disque. J'avais beaucoup d'affection pour lui. Ah bah c'est vrai que le fait qu'il soit gros, il était très bien. Oui, ça me fait rire. D'affection ou vous simplement vous le connaissiez à peine là, vous êtes en train de changer de disque encore. Je le connaissais. Non mais attendez, je le connaissais à peine, mais c'est pas parce que je le connais. Qui fait des sous-entendus étranges. Écoutez, Beyoncé. Vous avez une arme, monsieur Pichon? Beyoncé, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Est-ce que je la connais? Bah écoute, ça vous de me dire. Non, je ne la connais pas. Et pourtant j'ai beaucoup d'affection pour elle. Bah lui c'est pareil, Phil. C'est comme une figure que je voyais traîner dans la maison. J'avais beaucoup d'affection pour lui, mais ça veut pas dire qu'on partageait des choses.
Messieurs, mmh. vous parlez et vous vous adressez à mon fils comme s'il était complice d'un double homicide et ça me déplaît fortement. Travail, est-ce que... Posez des questions, la, la question est pour vous deux. Est-ce qu'un de vous possède une arme à feu? Allons-y, Sacha, nous sommes attendus. Non, monsieur, on ne possède pas d'arme à feu, pourquoi? Mmh. Vous voulez me faire un test de poudre? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, un test de poudre n'est valable que pendant une certaine période, monsieur Pichon. Je n'ai pas d'arme à feu, pourquoi encore? Puis si vous avez pris une douche, ça n'a pas grand effet. Écoutez, écoutez, monsieur, je vais vous dire, moi je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous parler avec ce que j'ai sur le cœur. Ouais, Sacha! Non, 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 parce que père, je suis très content que vous y mettiez autant de cœur à enquêter sur la mort des Lambert. D'accord? Je vous promets que la si vous pouvez me croire sur quelque chose, c'est que la mort de Phil m'affecte beaucoup. Je suis très triste de la mort de Phil, d'accord? Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Concernant William. Et William. William un peu moins, oui. En vrai de vrai, un peu moins. Je le connaissais. Je le connaissais beaucoup moins. Oui, il était pas gros, donc c'était moins. Je vous parle avec le cœur. Je vous parle avec le cœur. Mais là, vous, c'est pas bien ce que vous faites. Vous remuez le couteau dans la plaie. Vous m'empêchez de faire mon deuil. Vous m'empêchez d'avancer. Et en plus, vous m'accusez. C'est un peu beaucoup. Mais vous m'empêchez de faire mon travail. Hein, moi, je vous ai dit tout ce que je savais. Tout ce que je savais. On va y aller. On va y aller. Bonne soirée à vous et bon deuil à vous. Bon courage. Je suis désolé. Merci. Très bonne soirée. Okay. Si j'avais plus d'informations, je vous l'aurais dit. Allez-y, monsieur Pichon. Rappelez-moi votre nom à vous, s'il vous plaît, là. Détective Savage. Détective Savage. Sergent chef du Blaine County Sheriff. Montrez-moi votre plaque. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mon fils va vous retrouver. Non, mais j'en parlais au capitaine. Bah oui. Savage, BCSO. Merci. Mm-hmm. Au revoir. Au revoir, monsieur Pichon. Non, au revoir, messieurs. Dame. Ah, on s'en est encore bien sortis. Mais que se passe-t-il, Sacha? Mais vous voulez que je finisse en prison? Mais bien sûr que non, pourquoi? Mais arrêtez avec vos insinuations! Non, oh, Katou, vous entendez ce qu'il dit? Est-ce que j'ai vraiment insinué quelque chose? Mais il n'insinue rien, de toute façon, mais il a raison. Katou, Katou, tout à l'heure au commissariat, il a dit vous êtes en train de dire que mon fils a mis une balle à Phil en plein milieu d'une falaise et qu'il a ramené le corps de Phil dans la montagne et qu'il a laissé Will dans l'eau! Non, Katou, je prends juste mon rôle d'avocat très au sérieux. Non. Ah oui, bah il m'a demandé d'être son avocat, je le fais, moi. Vous auriez peut-être dû demander un autre avocat, Sacha. Oui, bah oui, j'aurais dû, effectivement. Que faisons-nous ici? On va récupérer des tableaux, ça fait 8 fois que je vous le dis. Oui, vous l'avez dit devant la police, je vous préviens, c'est une très bonne idée. Moi, je me masque. J'ai pas envie que les gens voient ma tête. Pourquoi? J'en sais rien, je préfère prévenir que guérir. Ok. Père, n'hésite pas mon nom, s'il vous plaît, n'hésite pas mon nom. Allez, père. Sacha, on peut y aller. Bonsoir. Bonsoir, Sacha. Oh. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très très bien, Parfait. Ça va très très bien. Je vous présente mon fils. Oui. Ok, enchanté. Henri. Enchanté. Henri, ah. Ah, Sacha, excusez-moi, je me suis trompé de fils. Ah, Henri, non, c'est bien Henri. Ah, Henri. Henri, Sacha, Henri. D'accord, enchanté. Okay. Mais oui, bah, j'ai beaucoup de fils. Hein. Ok, pas de problème. Du coup, on a récupéré ça pour vous. Mm-hmm. Ça vous intéresse? Oui. Bah oui, je vais y aller. Allez-y, faites une expertise. J'en ai marre, sérieux. Okay. Faites attention, hein, il coûte très cher. Bien sûr. Qu'est-ce que vous regardez? Les œuvres d'art, bien sûr. Tournez-vous. Alors, Katou? Ça va quand même. Tournez-vous. Moi, je me mets sous cet angle-là si je préfère. Oui. Ah, est-ce qu'ils ont été un peu malmenés? Non, non, très bien protégés. Pas la lumière du jour. Dans une cave à 21 degrés. Trop stylé, wesh. Ok. Oh, je vois qu'il y a des traces. Mais c'est de l'excrément. Non. Mais c'est des traces de merde. Oui. Mais. Monsieur, mais qui chie sur les tableaux chez vous? Personne, hein, personne. Oui. Attendez, mais ça n'a pas de sens. Attendez, je... Oh non, ça le sens, peut-être que bien emballé. Je sais pas qu'à tout goûter. Non, je ne peux faire pas. Mais attendez, oh putain. Vas-y. C'est bien de la merde. Allô? Oui, Yuna. Désolée si j'ai pas répondu, je suis en patrouille. Bah oui, mais quand même, un petit signe de vie, je m'inquiétais. Oui, t'inquiète pas, là c'est fini, c'est qu'il y avait un méchant là. Et puis il parlait, je pense que j'ai rien compris comment il parlait. Vous l'avez arrêté? Non, bah finalement on l'a laissé partir, on est gentil. Bah non, faut pas être gentil, Yuna, tu crois qu'il aurait été gentil si ça avait été l'inverse?
Bah oui, mais bon, il venait d'arriver en ville, c'est bon. Yuna, mon petit choupidou Banks, j'ai besoin de d'un truc. Ah. Le truc, c'est que là, je suis en train de m'occuper des commandes de poulet et tout. Comme ça, au moins, toi, t'es allégé et tu peux faire ton taf de keuf tranquille. J'ai fait la commande de mon côté. Hein. Non, 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 t'arrêtes de faire la commande, c'est bon, je m'en occupe moi, d'accord ? D'accord, ok. J'ai négocié des bons prix. Par contre, j'aurais besoin d'une carte, une carte pro. C'est bon, je te ferai un double. Tu me ferais une double carte ? Ouais, parce que je dois le payer, le mec là qui me fait le poulet. Oui. Yuna, tu laisses tomber toutes les négociations. T'avais négocié quoi, toi ? T'avais combien de poulets ? Ben, j'avais 100 poulets, à peu près 200. À combien de dollars le poulet ? C'est cher, c'était dans les... en tout, ça me faisait 3 500 $. Pour 100 poulets ? 200 poulets, ouais. Yuna, écoute, là, on va me livrer 250 poulets gratuits. D'accord ? Et ensuite, on va me livrer à 4 dollars le poulet. Ça va, c'est pas cher. Bah oui, donc 4 fois 250, ça fait que moi, il va me coûter 1000 dollars le poulet. Enfin, 1000 dollars les 250 ouais, poulets. Cher. Donc, plus jamais de ta vie, tu négocies, Yuna. D'accord ? C'est moi ton commercial, maintenant. Ok, c'est toi, mon commercial, c'est bon. Tu annules ta commande ? Oui, c'est bon, j'annule. Ça marche. Vas-y, ben, écoute, quand t'as fini ou quand t'as besoin, tu m'appelles. Oui, on se voit tout à l'heure. Allez, ça marche. Mmh. Bisous. Non, mais 3500 de 200 poulets, ça fait combien le poulet ? Il était originaire. Ça fait combien, le poulet à l'unité, ça ? Son père était hongrois. C'était un fils de boulanger, mais avant 17 tout, dollars le poulet ? Pute, comme on disait, non, impossible. En ancien temps. Non, mais les gars. Si, 17 ? C'était un français, du coup ? Non, mais vous êtes con, quoi ! J'ai dit portugais et hongrois. 17 dollars le poulet ? Ben oui, mais faut suivre, hein. Monsieur. Depuis quand avez-vous cette toile ? J'ai vu le petit blackout il y a quelques temps, le musée qui a été cambriolé. Oui, sure, bien sûr. D'accord, bah voilà. Mmh. Une de là. Ces toiles n'ont pas été. Remises à neuf. J'en ai aucune idée. Oh mon dieu, est-ce que c'est ce que je pense ? Je crois bien, Nana. Un véritable portrait de Mount Zedong. C'est une toile qui nous fait toujours envie. Oui, mais c'est mon allergie au pollen qui revient. Oui, bien sûr. Attends, c'est quoi les mojis qu'amènent à chaque fois ? Ah, c'est incroyable, je peux vous assurer. Alors, selon mes expertises. Oui, excusez-moi. Oui, connaissez-vous Mao Zedong ? C'était un très grand philosophe du 12e siècle. Il a créé la baïonnette. La baïonnette ? Baïonnette M9 Akimbo. C'était un véritable serial killer. Oh, cette allergie au pollen. Henri. Oui. Passez-moi un mouchoir. Ce sont de très beaux portraits. Tenez. Bah oui. Merci. Mm-hmm. Père. Oui. Il n'y a pas de mouchoir, t'es uniquement mon doigt. Cela oui. Dit, ce sont quand même des mais j'ai mis votre doigt dans mon nez pour boucher. Classique, vous voyez ce que je veux dire. Je ne distingue aucune toile qui mériterait... Vraiment, ça place au musée, si je puis me permettre. Après, c'est des toiles qui viennent du musée directement. Oui, j'ai bien compris. Vous savez, nous avons déjà travaillé avec le musée, nous. Nous savons un petit peu comment cela fonctionne. Attendez, est-ce que c'est ce que je pense, ce tableau, là-bas ? Le véritable tableau de Marie-Antoinette. C'est incroyable. Mais c'est une copie. Il vient du 8e siècle avant Jésus-Christ lui-même. C'est impossible, ça. Alors... Savez-vous qu'elle a inventé la télévision ? Bah oui! Mais vous êtes. Oh, vous n'êtes pas. Vous êtes inculte, monsieur. On apprend vraiment beaucoup, éclair. Hein. Bah déjà, oui, t'es mon. On est français, on s'y crush connaît. En hein. Coréen, on peut dire. Nous, on s'occupe et la ferme, je parle vraiment de la ferme. Non, le tableau à gauche. Ah! Oh non, c'est un tableau italien, c'est de la merde, ça ressemble à rien. Vous aimez pas le tableau italien? Mais non, mais vous voyez bien que c'est mal dessiné, c'est même pas réaliste, c'est ridicule. C'est vrai. Vous aussi, vous avez compris comment, on est d'accord? Il vous rapportera sûrement 100 dollars, pas plus. Bien. Est-ce que vous pouvez nous les transporter dans le véhicule, s'il vous plaît ? Bien sûr. J'occupe de celle du coffre, Tyrone. Allons au discours du maire. Sure. En ce qui concerne l'argent, nous allons vous recontacter très vite, ok ? Oui, il n'y a pas de problème, madame. Parfait.
Non, non, je vous palpe. Palpez-moi bien. Allez dans l'entrecuisse. Parfait. Sentez cette chaleur humaine. Oui, je sens la canette. Vérifiez-moi aussi. Qu'est-ce qui nous arrive, Katou? Katou, vérifiez. Prenez sur moi aussi. Je crois que j'ai des choses. Oh. Prenez-moi contre le mur. Non, 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 calme. Ok. Je souhaite une bonne soirée, mais c'est bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On vous rappelle plus tard. Oui, à plus tard. Allez, bonne soirée. Katou. Oui. La prochaine fois que vous me palpez, mettez un petit doigt. Et vous savez, la prostate, ça prévient pas. Hein. Oui, c'est sûr. C'est de notre âge. Ah non, c'est à l'observatoire. Je vous dépose, hein. Où allez-vous? Par ma vie. Oui, allô. Oui. Non, mais bah je couche à la ferme, là. Il est où mon poulet? Bah, justement, ce que je vous dis, je suis à la ferme. J'ai envie de vérifier les stocks et on en a pas, du coup je vais devoir couper. Bah ben oui, mais ben, c'est ce que tu m'avais dit il y a une heure aussi. Oui, mais il y a une heure, j'étais en rendez-vous et... Aïe! Ne meurs pas. Aïe, merde alors! Putain! T'as un sacré, comment... Ah. Excusez-moi, je voulais tourner à droite juste, c'était du véhicule. Montez. Non, je conduis. Pourquoi ça m'étonne pas? Comment? Ça m'étonne pas, les Français, vous savez pas quoi j'ai. Ramenez-moi mon poulet. Déjà, c'est gratuit. Laissez-moi faire. Oh, ok, laissez-moi faire ma tambouille. Ah oui, mais moi, je vous ai pas demandé que ce soit gratuit. Moi, de base, je voulais payer et c'est vous qui m'avez proposé ça. Ouais, mais vu le prix que vous voulez le payer, autant que ce soit gratuit. Hein, parce que c'est pas cher payé. Hein. Moi, j'ai des employés. J'en aurai ce soir. Est-ce que je l'aurai pour ce soir? Parce que moi, le problème, c'est que là, je ne peux pas ouvrir mon magasin. Oh là là, quel désastre. Vous pouvez me faire petit à petit ou pas? Est-ce que je peux manger gratuitement dans votre restaurant? Je peux vous faire un prix, oui. Ah bah vous faites des prix, moi je vous offre les choses, vas-y. Bah oui, mais fallait me négocier, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bah vous savez quoi? Je vous parle plus. D'accord, vous pourrez manger gratuit dans mon restaurant. Ok, ça va. Mais une fois, hein, pas deux, parce que franchement, si je mange deux fois dans votre restaurant, vraiment je vide les stocks, ok? D'accord. Je suis en train de préparer votre putain de poulet. Dans combien de temps? Je suis en train de le faire là, je sais pas. Combien de temps vous avez dit? Allô? Il a dit dans 10 minutes. Non mais attention, mais attention. Oui. Bah oui, dans combien de temps vous m'avez dit? Là je suis en train de le faire, donc comme ça on voit, c'est fini, il s'est réglé. Je sais pas moi ce que vous faisiez, je vous ai demandé dans combien de temps? J'en ai aucune idée, monsieur Pichon. À peu près. J'ai dit 10 minutes, mais vous avez raccroché. C'est bon, 10 minutes, ça marche. Ça marche? Ouais. Ok, allez, à plus. Merci, au revoir. Bien, père, à tout à l'heure. Non, je crois pas. Père. Oui. Non, non. Ben oui, bah j'écoute. Bah, à tout à l'heure. Où allez-vous? Je vais aller récupérer mon poulet. Ah. Oui. Oui. Mais non, ma mangeuse de barchette préférée. Oh, ça a l'air père. Oh non. Soit plus excitant son pays. Oui, bah logique, oui. Oh putain. Oh putain, ça va, vous allez bien? J'ai hâte de voir. Oh, c'est lui. Ah bonjour. Oui. C'est prévu comme ma sœur. Pourquoi? Elle m'a dit que vous sortez avec une italienne, je sais pas quoi là. Non, c'est plus compliqué que ça. Et que du coup vous l'utilisez. Non. Ah, elle vous a dit ça? Bah, elle m'a dit ça hier. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Je peux tout vous expliquer. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai une relation un peu compliquée avec une italienne, certes, c'est vrai. Oui. Et entre temps, votre sœur est rentrée dans ma vie, donc du coup, ben voilà, je suis dans une phase qui est un peu compliquée, je me pose des questions. Un entre deux, quoi. Oui. Bon, d'accord. Sachez que elle, maintenant, elle commence à s'intéresser à d'autres hommes, hein. Ah bon? Ah oui. D'accord. Qui va la chasse, perd sa place. Merci pour l'information, monsieur. Bah, bien sûr. Au revoir. Oui. Bisous. Sale connasse, Yuna. Merde, j'ai cru m'avoir envoyé un message. Maison, tableau, italien. Maison, tableau, italien. Il m'a appelé une fois. Est-ce que c'était pas lui?
Oui, monsieur Pichon. Ah, mauvais numéro. Hein. Au revoir. Ouais. Oui. Oui, vous êtes dispo ? Oui, je suis dispo. Vous êtes où ? Tu sais où j'habite ? Oui. Bah, allez, viens. Si vous habitez attends, comme chez Dita, oui. Oui, comme chez Dita. Ça marche. Là où tu viens d'habitude, là. Oui, bah, parfait, j'arrive. Allez, vas-y. Par contre, ça c'est trop chiant que ça me raye ma voiture à chaque fois que je passe le portail. Mais bon. Je pense que portail automatique c'est encore plus chiant. Dans mon livre. Là. Pourquoi tu te balades jamais armé comparé à Javier? Parce que Javier j'en avais rien à foutre. Javier j'en avais rien à foutre. Sacha un peu moins, je vais garder ma couverture le plus longtemps possible. Oui allô. Oui monsieur Pichot, je suis désolé mais il qu'avec Javier. Il ça va pas durer 10 minutes et moi j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est mon employé qui travaille habituellement. Oui. Et là je me mets à travailler et clairement c'est extrêmement long. Et c'est quoi que vous appelez extrêmement long? Et dans le sens, la barquette de poulet cru, et eh ben c'est un poulet que je dois que je dois découper. Oui et ben oui. C'est normal. Pas... Logique, mais du coup. Et moi, pour le couper le poulet, je vais à peu près 3 secondes pour chaque poulet. Donc si vous coûtez 3 secondes, et je parle pas de les nourrir, parce qu'après, avant de les tuer, moi je les nourris. Donc je mets à peu près, je pense que je vais mettre une demi-heure, hein, et on est deux. Hein. Donc 3 secondes fois 250, c'est ça? Ouais, et en plus de ça, j'ai avant ça, il faut les nourrir. Mais nourrissez-les. Oui, oui, mais je crois que ça c'est long. Mais j'attends, mais faites au plus vite, s'il vous plaît. Au pire, okay. Livrez-moi 150. Mais j'essaie non. De faire le maximum non, en fait, possible. Les faites les 250, comme ça au moins, la première commande, elle est passée et on passe à autre chose. J'attends les 250, okay. D'accord? Ok, monsieur Bichot. Merci. Attention. Mais après, quand tu seras plus employé, tu vas avoir un quota plus haut. Bonjour. Quand tu vas monter en grade. Où est Dita? Elle est pas là ce soir. Là encore. Mais pourquoi elle est pas là? Elle arrive vers 1h du matin. Elle est là hier soir, tu l'as raté. Vers quelle heure elle arrive? Vers 1h du matin, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, c'est une grasse mat ça. Bah c'est couché tard hier. C'est une fêtarde. À qui je donne? Donne à Salvatore. Tiens. Avec la voix de ah. Et le pétoir. Tu as oublié quelque chose, non? J'ai oublié quoi? Attends. Vérifie. Attends, je vérifie. Cierto, si cierto, je peux griller les balles. Cierto. T'as tiré? Oui, j'ai tiré. C'est pas grave, les munitions. C'est ok. Non, mais c'était pour les munitions. T'as tiré, c'est bien. T'en as tué un? Non, c'est des tirs de sommation. Bon. Ah oui. Bon. Soumission. Si, je range du coup les deux. Parfait. T'as les clés? Je fais la cellule, t'inquiète. Et moi, il me manque la dernière clé de la Audi, par contre, du coup. Parce qu'on est quitte maintenant. T'as fini de payer, c'est vrai. Bah oui. Qui c'est qui a la dernière clé de la Audi? C'était Gino, c'était moi. C'était vous, je crois. Non, c'est Gino. J'appelle. Okay. Non, non. De la quoi? De la Audi? Oui, la E3. Alligator. Ah oui, ok. C'est ton auto? Oui. Ah non, je l'ai pas. T'as mis plusieurs semaines à rembourser les 50 000 dollars. Oh, ça s'est bien passé quand même? Oui, ça va. Pour moi, oui. Un flic avait dit qu'il y avait le braquage de bijouterie pour envoyer un journaliste, mais bon, au final, j'y suis pas allé. Oui, écoutez, ceux avec qui j'ai fait le braquage se sont fait arrêter. Ah. Mais moi non, donc ça va. Il y avait des journalistes sur place ou pas? Oui, il y avait un journaliste.
Oh, mais ça va, je verrai un petit peu ce qui s'est passé. Là. Elle est où, Dita? Qu'est-ce qu'elle fait? Expliquez-moi, je veux comprendre. Elle fait de la musique et elle ne veut surtout pas qu'on la dérange dans sa chambre. Et quand elle est dans une phase comme ça, faut surtout pas la déranger, sinon elle va t'emmener dans une cave, tu sais. Je sais pas si elle t'a déjà parlé de sa cave. Mais c'est vraiment une grosse colasse. Un message, ça coûte quoi, un message, hein? Mais non, mais il n'y a pas de réseau dans son truc, c'est pour ça. En gros, il va te donner la clé une fois qu'on aura vendu le... Oui, par contre, parle mieux de Dita. Oui, mais c'est affectif. Non, non, mais même affectif ou pas... Écoutez, c'est pas vous qui allez me dire comment je vais faire ma relation avec Dita, d'accord? Déjà, c'est affectif. Si, parce que Dita, ça reste une personne... Oui, mais c'est, vous êtes pas son père. Tu sais, si je dis à Dita tout de suite d'arrêter de te parler, elle le fera. Vous êtes quand même pas son père. Elle fait ce qu'elle veut, Dita. Elle est grande et indépendante. Elle le revendique tout le temps. Je t'assure que non. Allez, Sacha, tu auras ton dû lorsqu'on aura vendu les bijoux. Non. Quoi? Le deal, c'était, je vous ramène les bijoux, on est quitte, et quand on est quitte, vous me rendez les clés. Mais c'est Gino qui les a. C'est Gino qui les a, il est pas là. Tu l'as appelé, Gino? Oui, je l'ai appelé, et en gros, il a dit, on attend de vendre les bijoux. Ben, donnez-moi son numéro. Je te laisse le donner. C'est 74. Et allô? Oui, allô? Sacha. Oui, Gino. Je suis pour toi, Sacha. Comment? Je peux faire pour toi. Je suis pas content. C'est parce que si t'es pas content, j'ai risque d'être pas content. Tu m'as demandé de faire la bijouterie. En échange, on serait quitte. Une fois qu'on serait quitte, vous devez me rendre les clés. Pas une fois que vous avez vendu les bijoux, hein. Sacha, on est bien d'accord qu'il restait 50 000 à rembourser. Ah! Ben si. Mais toi, tu es fou, hein? Ben non, vraiment pas. Attention quand même. Tu m'as dit, je braque la bijouterie, en échange on sera quitte. Plutôt que des 50 000, je braque la bijouterie. C'est non, tes mots. C'était pour aider à faire les 50 000. Ah, si. Alors celle-là, Gino. Sacha, tu te doutes bien qu'une bijouterie contre 50 000, c'est pas... Ça serait bête de... Je comprends pourquoi mon père vous déteste, hein. Et ton père, il me déteste parce qu'il a pas envie de parler avec moi. Vous avez pas de parole, mais vous avez pas de parole. Je suis sûr que si je demande aux 4 là qui sont en face de moi, ils vont confirmer tes propos alors que eux 4, ils avaient compris comme moi. Attends, je suis là. Dépêchez-moi, je suis là. Et vous savez très bien que vous avez compris comme moi puisque vous étiez prêt à me donner les clés. Allez, Sacha, monte dans ta voiture. Non, non, il y a Gino, il a dit attends, je suis là. Ah ouais. Madame, vous savez très bien que j'ai raison. Oui ou non, dites-le. Mais par rapport à quoi? C'est quoi le deal? Moi j'étais pas là, j'étais en Italie. Oui, c'est ça, oui. Alors. C'est alors. Vrai. Si tout se souviens bien. Je t'ai dit. Est-ce que t'as mis de faire une bijouterie pour me rembourser? Et toi, tu m'as dit, oui. Mot pour mot, je comptais en faire une pour vous rembourser. Oui. Mais tu sais très bien qu'une seule bijouterie ne te remboursera pas les 50 000. Écoute, Gino, tu m'arrêtes si je me trompe. Si. Est-ce que tu veux faire une bijouterie pour nous rembourser? Réponse, oui. Donc, conclusion, je vous ai remboursé en faisant cette bijouterie. C'est mathématique. Ça t'a aidé. Ça t'a aidé à rembourser, à récolter les 50 000. Ah oui. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné le gaz BZ, je t'ai donné le marteau, je t'ai tout donné. Même le pistolet. Non, non, c'est payant quand même. Alors là, je suis choqué. Tu sais combien ça coûte un gaz BZ, Sacha? Tu sais combien j'aurais pu prendre d'années de prison? Tu sais, t'aurais pu refuser et dire non. Je l'ai dit toi-même que tu avais l'intention de faire une bijouterie sans qu'on te le demande. Ouais. Ouais, et alors? Ça aurait été les mêmes années de prison. Oui, mais sauf que là, je l'ai fait pour vous. Peut-être que moi, je l'aurais fait après-demain ou dans une semaine. Non. Tu l'as pas fait pour nous, tu l'as fait pour toi. Tu nous dois de l'argent, tu comprends? Oui, parce qu'en échange, je devais être quitte. Oui. Et là, je suis pas quitte. Parce qu'il manque, on sait pas combien ça va récolter. Écoute-moi, même si ça fait plus de 50 000, je te donnerai ce qui manque, ce qui est en plus de 50 000. Ce qui entre, pour te dire. Mais bon, j'ai un doute que ça fasse plus de 50 000. Eh bien, au revoir. Oui, Sacha. Oui, père. Je te dirai. Pourriez-vous venir nous récupérer? Oui, j'arrive. Je comprends pourquoi vous détestez les Italiens. C'est vraiment des sales arnaqueurs. Oui. Il était temps. Vous me raconterez tout ça? Oui. À tout de suite. J'arrive. Putain! Les putes!
Les gars, je suis pas fou. Autant des fois, je suis fou. Aïe. Autant des fois, je suis fou. Là, je suis pas fou. Là, je suis sûr en plus que je suis pas fou. Et bah, c'est pas grave, ça fait du jeu, ça fait du jeu. Et là, le problème, c'est que ça nique mon plan. Vous savez pourquoi? Parce que mon daron, Bernard, il va récupérer les tableaux. Sauf que lui, son plan, c'était de scam les Italiens. Vous vous rappelez? Je lui ai dit, ouais, là, j'ai braqué le musée. Mais au final, les tableaux, les bijoux, c'est toi qui vas les récupérer. Et du coup, tu pourras scam les Italiens. C'est-à-dire qu'il va les scam, il va probablement leur racheter 10 000 dollars. Moi, je vais être là comme un con. Il va me dire, ouais, bah t'as remboursé 10 000 dollars de ta dette. Ça va envoyer des molotovs à 2h du mat. Putain. Bernard Pichon ? Oui, Sacha. Oui, c'est bien vous. Non, je faisais genre le Uber. D'accord. Ah. Hein, Sacha ? Sacha ? Oui. Dites-moi, le doute m'habite. Je vous avoue, Katou, pourquoi rigolez-vous, Sacha ? Il a dit m'habite. Oh, Sacha, votre âge, s'il vous plaît. Sacha, je vous avoue avoir des sus. Katou, arrêtez de rigoler, Sacha. Katou, écoutez, c'est très sérieux. Là. Il a dit sus. Sacha, écoutez votre père, oui, s'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-moi, père. Donc, dois-je vraiment répéter ou... Comme vous voulez, choisissez une autre phrase. Sacha, je vous avoue que je vous connais maintenant et je sais que, au final, vous êtes un peu susceptible. Face aux situations que l'on croit. Arrêtez de rigoler, Sacha. Non, si on ne peut plus discuter, ça ne sert à rien, Sacha. Pardon, père. Bon, déposez-nous à la villa, c'est bon, alors, j'ai compris. Faut que je mette de l'essence, non, dites-moi. Non, vous êtes un gamin, Sacha, on ne peut pas parler. Ok, c'est bon, je me concentre. Sacha. Oui. Comme on dit, cette histoire devra rester dans les annales, Sacha. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est bon, non, c'est bon, allons à la villa. Sacha, on peut être sérieux. Pardon? Il a dit le mot anal. Vous avez fait mal. Bref, père, c'est la guerre avec les Italiens. Oh. Comme ça, d'un coup. Oh, vous m'envoyez ravi. En fait, vous vous rappelez, je vous ai dit, il manquait un petit peu d'argent à leur rembourser pour la voiture. Sacha. Attendez, mais laissez-moi finir, bordel de merde. On a le droit de finir une phrase avec vous? Allez-y. Oh! Sacha, je peux finir? Merde alors! Bref, je devais... Vous me reparlez une seule fois comme ça, Sacha, vous êtes mort. Pardon, père, pardon. Du coup, j'ai braqué la bijouterie hier, et là, je leur ai ramené les bijoux qu'ils vont vous vendre après, plus tard. Et normalement, je devais être quitte à la fin. À la fin, je devais faire la bijouterie, leur donner les tableaux, et on était quitte. Et c'est pas, il me dit oui, non, on verra si on est quitte... après la vente des tableaux. En mode suivant le prix que les pichons vont nous donner, on sera quitte. Oh, c'est ce qu'on appelle une prise d'otage. Bah ouais. Moi, je lui ai dit moi j'ai pété un câble, père. Je lui ai dit mais ça va. T'es un fou ou quoi toi? Il m'a dit non, mais tu comprends, si le braquage de la bijouterie vaut pas 50 000 dollars, alors je me suis fait arnaquer. Je dis bah alors fallait pas m'envoyer faire une bijouterie. Il m'a dit oui, mais t'as dit qu'elle en faire une dans tous les cas. Je dis bah ouais, bah au moins. J'aurais fait. Combien? À mon propre compte. Comment? Il a dit s'il vaut combien? 50 000. Pour lui, 50 000, c'est pas assez? Non, c'est ce que je lui dois. Mais jamais un braquage vaut 50 000. Jamais. Ah oui, mais bon, moi j'en ai rien à foutre. Moi, il m'a dit tu fais la bijouterie et ensuite on les quitte. Mais bien joué, vous venez de rencontrer les Italiens, des menteurs. Putain. Usurpateurs, manipulateurs. Non, attendez, j'ai déposé un peu d'argent, faites pareil, Katou. Ne me prenez jamais en photo, monsieur. Oh. Vous avez vu, Katou?
Bonsoir, monsieur. Oh, vous ressemblez à Henri Cavill. Non, Sacha ? Oui. Bah, laissez-moi passer. Non. Katou, vous lui avez dit ? Je lui ai dit quoi ? Pour moi, dit hier. Non. Vous me le promettez ? Je ne lui ai pas parlé de votre kinky soirée. Non, elle ne m'a rien dit. On vous entend de l'intérieur. Vous parlez trop fort, Sacha. Sacha. Oui. J'ai un petit problème avec vous. Quoi ? Nous sommes une famille réputée branlable. Pourquoi Bon, allez, déposez-nous à la villa. C'est bon, nous ne pouvons pas discuter ce soir de toute évidence. Pourquoi rigolez-vous encore? Vous avez dit branlable. Non, c'est bon, allez, déposez-nous. Vous êtes un gamin. Vous voyez, Katou, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Oui, je sais. Vous ne pouvez pas partir dans de bonnes conditions avec un enfant pareil. Katou! Si vous partez en France, vous partez où en France? Comment ça je pars où? Bah chez nous. À Bordeaux? Pardon? À Bordeaux? Mais on ne vit pas à Bordeaux, nous. Vous vivez où, vous? À Paris. Si vous voulez le numéro de ma mère, peut-être vous pouvez la rencontrer là-bas? Non, ça va aller. D'accord. Pourquoi est-ce que je voudrais rencontrer votre mère? Ben, parce que c'est ma mère. Oui, c'est votre mère. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je dois donner 2000$ au Latin Kings. Attendez-moi là. Mais vous êtes endetté de tout le monde. Mais non, mais c'est pour le braquage. Vous emmenez dans vos galères. Katou, venez à l'arrière. Ma mère, c'est des PNJ? Bonjour, messieurs. Voilà. Il est là, votre chef? Le réfet, il va pas tarder normalement. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes des grands, des petits? Je suis le secondo, oui. Tiens, c'est pour le braquage d'hier. Votre part. Ah, c'est monsieur Pichon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Et bah, grâce désolé, ça remboursera pas le Glock, mais c'est ce qui était prévu. Va aller. Au revoir. Rentrons à la villa, s'il vous plaît. Encore? Sacha, oui. J'ai essayé de discuter avec vous plusieurs fois. Et vous voyez bien que ce n'est pas possible. Allez au bout, père, là, vraiment, je me concentre pour pas rigoler. Vous êtes sûr? Sûr comme un roc. Bon. Je disais... Sacha, vous êtes... un grand enfant, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais il y a quelque chose que... nous avons du mal à tolérer. Qu'est-ce donc, père? Vous rigolez? Non, là pour l'instant y'a rien qui m'a fait rire. Ok, parce que j'ai l'impression que vous rigolez, en tout cas. Non, parce que j'attends la chute. Comment dire? Sacha, votre comportement me surlupine. Et vos mensonges commencent à fortement nous déplaire, Sacha. Une seconde. Où allez-vous? Sacha! Une seconde, je dois faire pipi! Allez, nous rentrons à la villa. Je dois faire pipi! Une seconde, je dois faire pipi! On peut plus discuter, non, on retourne à la villa. Il a Jipin. Non. Sacha. Oui, Katou. Un peu de maturité. Oui, pardon, Katou. Nous ne sommes pas pris au sérieux de toute façon dans cette famille. Je ne vous mens pas, père. Si, je vous avoue. Attendez. Que je... Non, je vous avoue que je vous mens souvent. Oui. Quand même. Au moins, il a eu l'honnêteté de le dire. Oui, mais c'est ça le problème. Il a toujours l'honnêteté de le dire. Bah justement, c'est bien. Bah non. Bah si. Encore une fois, vous n'avez toujours pas appris de la leçon. Je pensais que faute à moitié avouée, à moitié pardonnée, vous l'auriez compris. Bah oui, ce que je viens de faire, je viens de vous avouer que j'ai fauté. Et quand comptez-vous payer l'autre moitié, alors? Ben quand vous le souhaitez, père. Eh ben dans ces cas-là, nous allons le faire maintenant. Nous allons faire quoi? Vous avez une semaine pour tuer un des Italiens. Et la personne qui compte le plus cher de la famille de Dita. N'est-ce que c'est noté? Ben non, père, c'est beaucoup quand même, un meurtre. Ben
Quoi? C'est beaucoup un meurtre, vous avez tué les Lambert. Mais vous m'aviez obligé. Oh, et vous avez tué quelques personnes pour cette fameuse carte. Vous avez tué 4 personnes pour une putain de carte d'un jeu de 52 cartes qu'on peut acheter n'importe où. Oui, mais c'est pas pareil, père, c'est pas pareil. Là, vous me demandez de tuer par amour, en fait. Oh non, je ne vous demande pas de tuer par amour. Mais par quoi alors vous nous demandez de tuer? Je vous demande de tuer pour que ces putains d'Italiens commencent à comprendre qu'il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Mais vous voulez un meurtre revendiqué ou un meurtre anonyme? C'est vous qui voyez, Sacha. Qu'est-ce qui vous plairait, Sacha? Dites-moi. En fait, à partir du moment où on commence les meurtres, on va mourir aussi. Plus, c'est ça. Bah oui. Bah oui. On va en tuer un, ils vont en tuer un. Puis ensuite on va en tuer un et du coup eux, ils vont en tuer un. Et à la fin, il restera plus que moi. Vous sous-entendez qu'on sera tous morts sans vous? Il restera plus que Katou et moi. Oh. Et pourquoi pas Nana? Parce que vous êtes assez diplomate pour survivre et moi je suis assez malin pour survivre. Oh. Et Nana? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Nana a un melon complètement démesuré avec l'ego qui va avec et... Oh, arrêtez ça, vous avez aussi un peu une part d'ego, vous êtes français. S'il ne meurt pas en premier, c'est juste parce que c'est le chef de famille. Non, Sacha... Sacha, vous vous rendez compte de tout ce que vous venez de sortir, là? De sortir? Oui, de votre bouche. Bah, c'est vrai, père. Sacha, vous avez un comportement qui me dégoûte de plus en plus. Ah bon? Vous êtes en train de dire très clairement à... Katou que je vais mourir en premier. Et que si non. Je ne meurs pas en premier, c'est juste parce que je suis le chef. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous vous rendez compte? Mais parce qu'en général, les gens s'en prennent pas au chef en premier. D'abord, ils tuent les petits. Ah oui, mais vous n'allez pas mourir vu que vous êtes si malin. Nana? Oui. À qui sont ces peintures? Oh, maintenant ils sont à nous, c'était au Grimms et Tutti. Non, ceux qu'on a récupérés. Je ne sais pas. Oh, Jesse, notez Jesse. Ok. Je peux avoir son numéro moi aussi, père? À qui? À Jesse. Pourquoi? Mais pour la draguer. Mais abruti, c'est un bonhomme. Ah. Mais oui, vous pouvez avoir. Non, c'est bon, merci. Non, c'est bon, merci. Non, attendez. Quoi? 5310. Appelez-la. Kato, je vous observe et vous êtes bonne. Non, Sacha. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Sacha? Oh, oh. Non, vous me faites... Oh. Sacha, il se souffle dans mon cou. Oui, Katou. Qu'est-ce que vous faites à la porte? Rien, moi je vous attendais, hein. Ah. Donc, j'ai plus d'argent si vous voulez qu'on aille leur donner. Eh ben allons-y. Mm-hmm. Je vais appeler Jessie. Oh, figurez-vous que Sacha aimerait draguer Jessie. Non, mais j'ai cru que c'était une fille. Oui, vous êtes là, Jessie. Oui, bonsoir, dites-moi. Mon fils aimerait vous rencontrer. Et nous avons l'argent des tableaux. D'accord, ok. Je suis un peu occupé, est-ce que c'est possible dans une demi-heure, 45 minutes? Bah non. Je suis un peu occupé. Vous voulez que j'envoie quelqu'un à moi? Vous voulez chercher? Oui, bah oui. Ok, bougez pas, je vous rappelle. Non, envoyez-nous une position, merci. Ça marche de rien. Qui appelez-vous? Dita? Personne, non, personne. Venez derrière, on va faire des doigts. Je n'appelle personne, père. Père, je vous promets, j'appelle personne. J'étais juste en train de prendre une photo. Ah. Regardez la photo de vous que j'ai fait de vous, belle-mère. Vous me prenez moi en photo? Oui. Regardez comme elle est magnifique. Je suis un vrai photographe. Oui, c'est vrai. Très belle photo. Vous voulez que je vous prenne tous les deux en photo? Oui, volontiers, une photo entre père vous et fils. Vous pourriez faire des pauses. Attendez, venez, on va dehors, c'est mieux. Oui, père, venez. Oui. Avec la vue. Oui, c'est magnifique. Allons sur la petite estrade. Oh, Katou! Oui? Que pensez-vous à votre tour d'organiser une sorte de grosse fiesta et on oui, sure, bah, avec plaisir. Qu'en pensez-vous, Sacha? Bah oui, pourquoi pas, père. Vous voulez au bord de la piscine? Non, plutôt avec la ville en arrière-plan, c'est mieux. Ok.
Est-ce que vous voulez que je fasse un doigt d'honneur? Allez. Non mais attendez, au coucher du soleil là, non? Venez Sacha. Vous êtes sûr pour le doigt d'honneur? Il paraît que ça fait Jones. Ok. Je fronce les sourcils, attendez. C'est bon, vous l'avez qu'à tout. Je cale bien. C'est bon. Vite, ça fait mal aux sourcils. Oui, ça fait mal. Vous me grattez la tête. Oui. Katou. Katou, c'est très long. L'appareil photo suffira. J'en peux plus. C'est bon, Katou, merci. Vous êtes sûr? Oui. Allez. Bien, prenez ma moustache. Pardon? Avec votre téléphone. Attendez, je vous l'envoie. Je veux que cette moustache soit la moustache la plus connue d'ici. Vous voulez ouvrir peut-être un compte Twitter sur votre moustache? Oh! Ce serait une bonne idée. Oui. Vas-y, Katou. Vous voulez vraiment que je prenne une photo de votre moustache? Bah oui. Ok. Prenez ma face en photo. Oh! Je vais aller voir Diana après. Juste ma tête, il faut que ma tête remplisse l'écran, Katou. C'est bon, ça remplit là. Attendez, attendez. Oui, allô? Ouais, Diana. Ouais, ça va, tu fais quoi? Je suis devant mon restaurant, je prépare la soirée. Mettez vas-y, je viens manger. Tu viens manger? Ouais. Allez, viens, je t'attends. Bah, vas-y, attends-moi, j'arrive. Allez, à toutes. À toutes. J'ai trop la cote, père, mais c'est trop un truc de fou. Dites-moi. Hein. J'ai trop la cote. Mais je croyais que vous étiez sur l'italienne. Bah oui, mais bon, je prends comme ça vient. Voilà les photos que j'ai faites. Mais attendez, vous avez carrément fait des retouches. Comment ça, non. Des retouches? Ah oui, vous avez mis un filtre. Oui, bah non. Magnifique. Bah si... non. Non. Si. Mais non, c'est le coucher du soleil. Non, ça, je crois que Sacha a dit magnifique sur la photo de moi, c'est ben ça? Bah oui. Ah oui. C'est une belle photo, j'utiliserai pour Twitter. Allons-y. Oh, Sacha, à plus tard. Où est-ce que vous allez? Mais vous nous avez pas demandé de venir avec vous, donc on y va. Et vous allez où, Caleb? Si vous voulez venir à Caillou, vous pouvez, hein. Non, vous allez à Caillou? Oui, je vais aller manger dans un resto. Bon, bah allons-y, alors. Oui, allô? Katou. Chaud, j'ai un vrai contretemps, allons-y. Vraiment. Oh là 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 là, Win, tu te branles. Non, je me branle vraiment pas. Je te dis la vérité, je me branle vraiment pas. Ah oui, mais je peux même pas demander de compensation, c'est gratuit. Bah oui, c'est gratuit. Mais du coup, si je t'expliquerai. Mais mon resto, comment je fais? Mais franchement, ils sont en train de te faire ta commande. Moi, je suis bloqué là, je suis vraiment bloqué. D'accord. Oui, fais vite, s'il te plaît, fais vite. Vas-y. Bernard. Père. Dites-moi. Écoutez, on va passer un marché, vous et moi, d'accord? Allez-y. Je vais dans un restaurant pour voir une femme. Félicitations. Une habitante de Caillou-Péricot. Père. Vous êtes... Si vous me gâchez mon RD... Moi non plus. Non. Attendez, on est dans la merde, on est en communication, mais on... Allô? Vous avez l'air d'être bon, dites-moi alors. Père, si vous me gâchez mon coup, je ne vous inviterai plus jamais à ce genre d'événement. Je vous fais confiance, d'accord? Non mais parce que là, en gros, je dois aller voir une dame à Caillou et en même temps, elle fait une fête dans un restaurant. Encore une dame, Sacha? Oui. Sacha, est-ce que j'ai besoin de vous prouver quoi que ce soit quand vous avez vu mes talents d'avocat? Mais père, ne parlez pas de Yuna, ne parlez pas de Dita, ne parlez... S'il vous plaît, bon, ne me gâchez pas. Bon bah écoutez, le temps qu'on y aille, dites-moi de quoi on ne doit pas parler alors. Ne me rabaissez dites-moi pas. Vous savez quoi? Dites-moi tous les sujets évités. Ok, le fait que j'ai déjà une copine ou le fait que je parle à d'autres femmes. Mm-hmm. D'accord. Attendez, j'ai une arme à feu sur moi. Oh oui, j'ai beaucoup d'argent sur moi.
Tout ça, vous en parlez pas, Pierre. D'accord, donc je ne dois pas dire que vous êtes actuellement sur une italienne. Non, ni sur une japonaise. Oh, vous êtes aussi sur elle. Bah oui. Et vous êtes sur toutes les femmes de cette ville. En fait... Bah oui, mais il est même sur vous. Là, je... Bon, Sacha, on a cramé votre petit jeu. J'aimerais bien semer plein de graines. Oh. Une graine à Kayo, une graine au Japon, une graine en Italie. Un peu comme moi et votre mère. Exactement, père, je suis comme vous. Katou. Ouais, elle m'a pas entendu. Ça va, vous? Information sur la situation. Je suis le père de Youssoufa. Bah, très bien, et vous? Ouais, moi ça va. Qui a pris le Beretta et ne l'a pas remis dans le coffre? Oh, ça a bardé. Et vous l'avez fait, cette bijouterie? Attendez, vous avez pris deux armes à feu? Non, c'est beaucoup trop, il faut en ramener une, messieurs. Une seule suffit. Bah oui, bah ramenez immédiatement. Je colle, il va finir cobrise, les meufs vont parler entre elles, ça va lui faire une répute. Mais après, elles sont super éloignées les unes des autres. Hein. Non mais, il n'y a pas de soucis, juste ramenez-en. Après, je discute, je fais rien, poteau. Venez prendre l'argent pour les 10 tableaux. Poto, non mais on va les donner maintenant. Moi, j'ai une meuf, Dita. Yuna, elle me guédera. Mais non, c'est 2000. Diana, on dirait qu'elle va me guédera. Vous êtes sûr? C'est tout. Je fais rien. Vous êtes si cultivé. Je n'ai pas fait d'expertise pour rien. Allons-y, Sacha. On va juste rendre l'argent des tableaux, s'il vous plaît. Au pire, vous me rejoignez à Kayo, hein. Prenez votre voiture, non. Comme ça on est tranquille. Bon, bah allez-y. Bah oui, c'est mieux. Promis, si je vous vois avec une dulcinée, j'évite les sujets. Merci, père. Vous voulez conduire? J'ai pas la technique pour parier la bagnole à chaque fois. Dita qui te fouette parce que tu la trompes. Isabi, ça va pas être... Non mais Dita elle fout la haine aussi, poteau. En même temps, hé cousin, Dita elle est jamais là. Yuna elle est là, elle fait la keuf. Elle est jamais là non plus. Au bout d'un moment je fais comment moi? Je ne suis qu'un homme faible. Certes, mais un homme. Ne soyez pas comme ça, IRL. Hein. De toute façon, est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous en avez les compétences? Et le charisme? Et la beauté? Oh, je crois que c'est le labo de... C'est le labo de bête, ça, qui s'est fait débanteler. Si la frontière elle est fermée, j'appelle Rafi. Hein. Non, si elle va être fermée la frontière, plutôt moi je passe. Hein. Oh, je suis le pilotero. Pas trop. Voyons voir, est-ce qu'elle est fermée cette frontière?
J'ai rien sur moi au moins. Oh putain, je déballe. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Attendez mon visa. Vous le voyez là? Non. Merde. Moi je pochais. Et là? Ouais, là c'est bon. Pichon Chacha. Oui. Comment ça se tapait? Oui, c'est moi. Pichon Chacha. Très bien. C'est bon pour vous? Je suis pas prêt. Hein. Pichon quoi? On va devoir faire une fouille, monsieur. Ouais, on fouille le coffre du véhicule et la boîte à gants. Allez-y. Ok, je m'occupe du coffre. Je vous laisse écarter les bras. Pourquoi tu es là? Ok. Boîte à gants maintenant. Normalement, quand on a un visa, on esquive pas la fouille. Non, pas du tout. Putain, y'a une bombe. Non, ouais. Le visa vous permet de passer de l'autre côté. Non, c'est bon, y'a rien à signaler. Allez-y, monsieur. Ah, on part? Non, on part. Bonne soirée, monsieur. Merci, bon courage. Je vais merder les gars. Ouais, bon courage. Ah, putain, au revoir. Putain. Au revoir. Eh, y'a la barrière. Ah oui, je passe à droite. Ouais, oui, allô. Allô. Socios. Oui, allô. Tranquilo, socios. Qui est à l'appareil? C'est moi. C'est ton ami que tu dois payer. Mais ça y est, j'ai payé déjà. C'est vrai? Oui, j'ai donné à ton segundo. Ah, muy bien. Il y avait un petit colis. Je vais donner $2000. Foiré. Bah ouais, okay, mais. Ok, on sera encore avec toi, n'hésite pas. C'est ce qu'on s'était promis avant le braquage. C'est vrai, une parole est une parole. Bah oui. Putain de merde. Allez, buenas, j'ai acheté scotché pourtant. Buenas. Bon courage. Ah, gracias. Au revoir. Ah, merde. Attends, faut que je lui demande comment il s'appelle. Comme ça, je l'enregistre. Si, socios. Rappelle-moi comment tu t'appelles pour que je t'enregistre. King. King. Si. C'est ton prénom, King? Si, c'est King de la calle de Rancho. D'accord, ben enchanté. Allez, socios. Au revoir. Au revoir. King. Bon, je sais pas si c'est bon. Je crois que c'est bon, hein. Ouais, allô. C'est bon, t'es sur Caillou? Ouais, je suis à Caillou là, mais je sais pas où il est ton resto. Attends. Tu vas me voir, je pense, devant. Celui à l'entrée, là? Oui. Oh là, mais il y a des tanks. Ah oui, allez, je te vois. C'est bon. Il y a des tanks. C'est qui, là, encore, ces nouvelles? Hola. Ça va, Diana? Comment tu vas? Ça va. Pourquoi il y a des tanks? C'est la milice, laisse tomber. Mais attends, mais c'est des gros ils tanks, sont ça. Là, ils sont garés devant le resto. Ça fait pas fuir les clients? Non, du tout. Ça charbonne, ouais, ben, il y a pas beaucoup d'Américanos qui viennent. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. Le touriste là en ce moment, c'est un peu mort. Bah tout à l'heure, les frontières étaient fermées. Et si, hein? Bah rien. Je te regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Oui, j'arrive. Il y a du monde? Non, pas pour l'instant. C'est la soirée débute à 1h. Les cailloux péricains vont venir à peu près vers minuit 45, comme ça. Je sais pas si t'es déjà venu dans le resto. Je suis déjà venu une fois. Une fois? Ouais. Ok, bah je t'ai pas rencontré du coup au restaurant. Tu as dû avoir un de mes employés. Non, pas vraiment. Ah, je t'es allé au sous-sol? Non plus. Non, j'ai juste discuté avec des gens mais je crois que c'était pas des gens de ton resto, il avait l'air fermé. D'accord, ok, pas de soucis. Bon, tu veux quelque chose à boire, je te l'offre. Ouais, un café, un rhum, une colada. Fais voir, t'as quoi? Dis-moi ton menu. Là en boisson, j'ai du vin, de la bière, pina colada, rhum et café. Envoie-moi 4 pina colada, s'il te plaît. Ce soir, je me mets minable. 4 T'es venu sans ta famille? Ouais.
Tu voulais que je les ramène? Bah, elle était drôle, Kato, j'aimais beaucoup sa voix. Et tu les as vues quand, toi? Bah, je les ai vues, moi, à une soirée au Caillou Bar. Merci. Attends, une seconde. Oui, allô? Oui, monsieur Pichot, excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite question concernant votre belle-mère. Et qui est à l'appareil? Oui, c'est Détective Savage à l'appareil. Ah oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Votre belle-mère est enregistrée chez nous comme étant un homme. Est-ce qu'il y a erreur ou est-ce que c'est bon? Écoutez, l'importance, c'est pas ce qu'il y a dans la culotte. L'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur, monsieur. Vous devriez arrêter. Écoutez-moi j'ai bien. Rien dit si, si. Arrêtez mais si, j'ai, si. J'ai absolument rien c'est dit, pas important. C'est pas important sous quel genre elle est née. Ce qui est important, c'est qu'il y a dans le cœur. Mais c'est bien. J'ai jamais dit le contraire. Je voulais juste savoir. Donc arrêtez. Non, je veux pas savoir. Taisez-vous. Mais je voulais juste savoir si c'était correct. Non, c'est correct ou c'est pas correct? Vous avez pas à savoir. D'accord, mais si, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous faire encoder, sinon vous êtes passible d'une amende. Hein, oui, au revoir, monsieur. Oui, n'oubliez pas. Tu dis quoi? Pourquoi tu criais? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un flic. Ah, c'est un flic, ok. Et tu voulais quoi? En gros... Oh là là, c'est une longue histoire. C'est vrai, il y a des gens dans ton resto, quand même. Ils sont sages, ces personnes-là. T'as vu? Ils consomment. Tu en veux gros, parler d'envoyer? Ouais, vas-y. Écoute. Je t'écoute. En gros, j'ai perdu un proche. Ah merde, toutes mes condoléances. Y'a pas de soucis. En plus, je crois que vous aussi, non? Vous, Clétus, c'était un peu comme un proche pour vous. Ah oui. Ouais, ben, et là, la police américaine, elle me soupçonne que ce soit moi. Et te soupçonne d'avoir tué Clétus? Non. Ah, j'ai eu peur. Non, attends. Pas Clétus, quand même, tu me prends pour qui? Non, le membre de ma famille. Ah d'accord. Mais c'est... Oui, ok. Mmh. Donc du coup, ils me saoulent en fait, ils font que m'appeler. Mais tu as des preuves pour démontrer que c'est pas toi? Bah non. Un alibi? Bah non, en plus non. Est-ce que eux, ils ont des preuves? Mais c'est pas fort... Ah si, voilà. Ah là, là, je suis bourré là. D'accord. Excuse-moi, je suis désolé. Oui, père. C'est par où, la réunion? Mais c'est pas une réunion, c'est un restaurant! Bien sûr, à tout de suite alors! À de suite, c'est le premier restaurant là où on avait parlé. Bon. Ah, y'a ton papa? Oui, il me saoule. Ah, je vais l'accueillir, attends. Non, assis-toi. Assis-toi. Non. Bon, il va connaître la route. Attends, je me décale. Ah, mais c'est cool, t'es venu en famille du coup. Pourquoi tu t'assois pas en face de moi? Assis-toi en face de moi, c'est mieux. Je préfère rester debout. Tu préfères rester debout? Mmh. Ok. Non, mais parce que je leur ai dit qu'il y avait une soirée, du coup ils ont dit qu'ils veulent venir. Ah, mais la soirée c'est à 1h. Mais, une heure du matin. Ça, je savais pas ça. Ah, bah je crois qu'ils sont devant. Non, c'est pas eux. Ah, bah si, c'est lui. Salut, Oula. Père. Bonsoir, messieurs, dames. Père, bonsoir. Diana, père. Vous allez bien? Ça va et vous? Bah oui, bah je m'attendais à autre chose en rentrant ici. Pourquoi? Je sais pas, vous m'aviez pas dit que vous étiez en toute intimité comme ça. En toute intimité? Non. Oui. Non, vous pouvez venir. Non, regardez, père, il y a plein de clients. Discussion. Oui, non, mais je veux dire, juste vous deux, je pensais voir la petite Dina ou la petite Yuna. Yuna? C'est ça? Ah, la patronne du Dragon... Ah, non, oui. Non, non, elle est en service, là. Oh, d'accord. Est-ce que vous voulez que je vous serve quelque chose? Bonsoir. Oui, vous pouvez. Ah oui, mais je suis pas barman, je sais pas comment faire. Non, pour servir, Dana. Oui, ils peuvent servir. Oui. Oui, on va prendre 10 menus, s'il te plaît. 10 menus lequel? Maxi, small? Je m'inquiète pas, maxi, je m'inquiète maxi. Pas, père. Maxi. Ah oui. Je vais faire ça. Non. Attends, vous êtes long, Kato, comme ça, quand vous êtes agressif. Pardon. Prenez-moi, Kato. Calmez-vous, Nana. Bah oui. Sacha, j'ai géré ou pas? Oui, père. Oh, Sacha, c'est cette femme en bleu que vous voulez... Taisez-vous, bordel. Mais comment ça? Et on n'a pas parlé de vos conquêtes multiples, Sacha. Non, oui, on n'a pas parlé des autres, on parle seulement d'air. Par pitié, taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous, laissez-moi vivre, je veux vivre. Oh, Sacha, je vous demande juste si c'est cette femme. Ça veut dire. Oui, je veux vivre. Elle est très charmante. Oui, elle est très belle. Oui. C'est désagréable, genre, le bruit. Ah ouais, je me doute. Vous savez, père, moi aussi je peux me mettre à vouloir vous gâcher la vie, hein. Dites-vous, là, je le fais sans faire exprès. Imaginez si j'ai mis du mien. Pourquoi vous faites ça, Sacha? Mais pourquoi le feriez-vous? Ah oui, pourquoi le ferais-je? Sacha, j'essaye de vous sortir de là à chaque fois. Arrêtez un peu. Et si vous alliez faire un tour dans Caillou Perico? Allez, visiter un peu.
finalement, vous voyez, Sacha, je me dis que vous êtes peut-être bien mon fils. Je veux. Vous me pourrissez la vie indirectement, je fais de même. Mais comme non, toi. Je veux pas que tu. Oui, mais bientôt je vais le faire de manière directe. Oui, c'est pas toi qui paye. Comment s'appelle-t-elle, Sacha? Attendez, c'est une menace, Sacha? Oui. Vous êtes sûr? Non. Ah non. Ah non, tu lui mets pas de. Attends, elle est capricieuse, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Mais c'est moi boire. C'est combien qui est venu? Elle travaille ici, votre copine. Non, Sacha, vous êtes bourré. Oui. Diana. Je viens, je paye tout le temps trop cher. Oui. Tu m'en mets 4 de plus, s'il te plaît. De pina colada? Oui. Ok, je te fais ça. Non, mais Diana, faut pas laisser les gens se bourrer la gueule. Hein. Laissez-moi faire ce que je veux, je suis majeur. Non, mais alors, après, il va y avoir des problèmes avec la Mélissa. Non, du tout, je vais l'aider. Bon, bah écoutez comme tu veux. Et Sacha, tiens, prends tes 10 menus là. Oui. Diana. Diana. Oh. Attends. La dernière Diana que j'ai connue. C'est ce que je lui ai dit, mais apparemment ça s'écrit pas pareil. C'est bon. Oh bah ça va alors. Oh là. Attends, je vais te donner ça. Ouais, s'il te plaît. Allez, Maria. Enchantée, Cathy. C'est ça? Pardon. Cathy ou. Catou. Catherine, pardon. Excusez-moi. It's okay. Dites voir ma petite Diana. Merci. Oui. Non, tu m'as pas donné. Ça fait pas à peu près plus d'un mois que merci pour la pina colada, je vais me régaler. Non, père, donnez-moi là. Mais merci, Sacha, de payer. Sacha, c'est mon gros bouillet. Vous êtes vraiment quelqu'un. C'est offert, Sacha. Donnez-moi ma pina colada, s'il vous plaît. Tu veux vraiment 4 pina? Oui. J'ai soif. Trop tard, j'ai siroté. Sacha, il n'a pas volé son propre père. Je ne l'ai pas volé. Et pourquoi vous iriez pas faire un petit tour de Cayo Perico? C'est sympa, Cayo Perico, il y a des jaguars. Mais pourquoi on le ferait pas à 4? La soirée n'est pas maintenant, elle commence à 1h du matin. Oh, c'est vrai? Oui. Madame? On va laisser nous parler avec la petite Diana. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, Diana, c'est ça. Enchantée. Que diriez-vous d'aller faire un petit tour avec Sacha et nous? Oui, y'a pas de soucis. Ah, bah voilà. Bah, bon, c'est, bah, balader, c'est chez vous ici, non? Ah, voulez-vous je vous montre un peu le coin? Sure, avec plaisir. Allez, oh, par contre. Ça veut dire que vous allez conduire? Je sais pas très bien conduire. Je peux conduire, vous inquiétez pas, venez. Bah oui, la dernière Diana qui a conduit. Ah oui, c'est. Elle ne conduisait même pas, père. Non, c'est ça le pire. Madame Catherine. Refaites pas une reconstitution. Mais peut-être remettre vos talons? C'est un peu. Diana, mais Morito, s'il te plaît. Diana, vous êtes très mignonne dans cette tenue. Je comprends pourquoi mon fils a des vues. Taisez-vous, mais taisez-vous. Mais taisez-vous, oh là là, pitié, père. Il a des vues sur moi. C'est ça. Je savais pas. Non, vous savez, c'est une expression de nana. C'est... D'accord. Mais franchement, allons-y, vous m'avez l'air d'être une famille très. Très soudée, très soudée. Oh, j'ai rien fait. On est mort. Prends, je l'ai comme noble blanc. Bougez. Je vais chercher un chien. Vous allez mourir. Un chien, j'arrive. J'arrive. Regardez ça dans les yeux. Putain. Que se passe-t-il, Sacha? Oh non. Pardon. Oh, il va pas conduire. Si, je vais conduire. Je suis très bien. Venez tous, mettez-vous en ligne. Diana, s'il vous plaît, ne montez pas avec lui. Montez, Diana. Il m'a l'air très drôle, ton papa. Bon, je rentre à LS. Au revoir, non, Diana. Mais venez, Sacha. Mais pourquoi? Au revoir, Diana. Regardez, il n'aura pas le courage, il va revenir, regardez. Oh non, mon le fils. Pauvre. Oh le pauvre. Il a voulu se foutre en l'air. Non, il est bourré. Sacha, je suis pas bourré. Laissez-moi. Arrête, laissez-moi. Descends, ce véhicule. Laissez-moi. Sacha, tu es bourré. Aïe. Attention. Oh, alors, Sacha, tu vas nous tuer. Ouais. Oh putain. Non, il va nous attirer tous les emmerdes. Sacha. Laissez-moi tranquille. Et faites doucement par contre, seigneur. Regardez. Sors. C'est bon. Oh, j'ai oublié de fermer la caisse. Vous êtes là, père con, vous avez réussi à remonter. Sacha, redéposez-moi mon véhicule. Oui. Sacha, vous êtes bourré? Non. Ça va alors? Non, mon véhicule n'est pas là, abruti. Ah oui. Il était là à la base. T'as tapé un milicien? Il est là, là, c'est voilà, ça. Le bleu là-haut. Le bleu? Oh, je crois qu'il y a quelqu'un de surarmé qui vous court après. Ah oui. Père. Oui, dites-moi, Sacha. Bonne soirée.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben rien. Allez. Tu veux boire un café? Allez, vas-y. Non, je veux juste être loin de mon père, c'est ce que je demande. Mais pour... Non, Sacha, vous ne le pensez pas. Si. Mais pourquoi? Ton papa, il m'a l'air tout gentil. Eh oui, il est gentil. Bien sûr que je suis gentil. Non, Sacha, c'était ma voiture. Pardon, où est-ce qu'on va? Foncez tout droit. Diana, préparez-vous à sauter quand je vous le dis. Oui. Je connais mon fils quand il est dans ses états-là. Vous êtes prête? Mais non. Est-ce que vous êtes prête, Diana? Oui, oui, je vais bien. Dès que je dis go, vous sautez, d'accord? Oui. Oh, il y a Katou qui appelle. Voilà. Diana, restez prête. Sacha est bourré, il conduit le véhicule, il fait n'importe quoi. Ben oui, ben allez chercher Katou. Sacha. Je vais vous déposer votre voiture, père, d'accord? Voilà, venez à la voiture. Eh ben, on arrive. Ralentissez, Sacha. Vous êtes con. Non, Sacha, vous êtes con. Ok, go, go! Go! Non, vous n'avez pas suivi. c'est pas sauté non plus. Je suis force devant des yeux de votre comportement, Diana. Montez, Katou, montez! Oh mon dieu, mais. Descendez, père, mais qu'est-ce que vous voulez? Montez, Katou! Allons-y. Partons. Mais attention! Ça passe. Bah non. Enfoncez tout droit. Et où est-ce qu'on va? Bah, c'est Diana qui devait nous montrer. Vous êtes déjà allé au Pays Bas? Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah, c'est tout droit. Ok. Sacha? Sacha? Oui. Mais. Quoi? Vous ne savez pas conduire? Oh, okay. Oh mon dieu. Sacha? Oui. Sacha? Sacha, vous ne restez pas sur la route? Oh mais. Il vous reste. C'est ce qu'on vit depuis 10 minutes. Mais... À droite? Il vous reste des pina colada, Diana? Bah non, bah arrêtez de lui donner. À droite, tout droit. Là, c'est le caillou bar. Oui, allons caillou bar. Donc, dites-moi, ma petite Diana. Que pensez-vous de Sacha? Il m'a l'air très gentil. Oh mon dieu. Et ah si, nous sommes déjà venus ici. Ah oui, c'est ça où je vous ai rencontré la première fois. Ah oui. Ah mais on peut plus sortir. Dites-moi, ma petite Diana, que pensez-vous du petit Sacha? Je le trouve très rigolo. Séduisant, c'est ça? Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. Oh. Oh, vous êtes assez jeune. Non. Je le déteste. Vous êtes très jeune. Oh. Ça ne se demande pas à des personnes comme nous. Et pourquoi? Oui, on a assez comme ça. On peut plus gérer des meufs tranquilles, poteau. Vous êtes très bon. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Je comprends pourquoi mon fils veut faire des choses. Mais Sacha. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi vous voulez absolument boire? Sacha, que se passe-t-il? Ah, je suis en soirée. Mais ça n'a pas commencé, hein, vous avez dit. Ça n'a pas commencé du tout. Aïe. Oui. Mais... Ça va. Bah, aidez-le. C'est bon. Sacha, asseyez-vous. Venez, on discute là, il y a une bonne ambiance. Allez. Mais bordel, père, c'est la première fois que je la vois. Vous êtes collant. Père. Nayana. Mais étant donné qu'on sera probablement votre belle famille, mais un petit peu plus sur vous. Pardon. C'est pas possible. N'avez-vous des parents vivants? Non, ils sont morts. Oh, c'est horrible. Merde. Ils sont morts de quoi, sans indiscrétion? Ils sont morts de, du coup, ma mère est morte d'un cancer et mon père, il est mort à cause de la guerre sur Caillou. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Nous sommes désolés. Oui, je les ai jamais connus, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Oh, elle est encore là? Oui, elle est encore en vie? Non, elle est morte. Non, oh, bah décidément. Oh, c'est compliqué. Bah oui. Bah, vous avez l'air de bien le prendre. Oui, parce que ça fait déjà très longtemps, déjà dans un premier temps, j'ai toujours su me débrouiller. Bien et je préfère rire qu'en pleurer. Vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez un homme? Sa gentillesse. Oui, Sacha, bah écoutez-la. Vous mettez mal à l'aise. Et quoi d'autre? Le fait... Qu'il soit protecteur et respectueux. Oh, c'est tout du Sacha, ça. C'est du Sacha tout craché, là, que vous dites. Hein. Mais vous savez que c'était pas forcément un rendez-vous, là. C'était juste le rencontrer, il parlait un peu, parce qu'il m'avait l'air de galérer pour chercher du poulet. Oui, mais je viens dire, du poulet. Oui. Et dites voir, quel est votre style de mec? J'ai pas style. Je suis oui, pas... genre grand blond à lunettes de soleil, ça vous va très bien. Bah, tant qu'il a des pieds, des mains, qu'il puisse parler, qu'il est respectueux, non, tout me va. Oh. Donc les manchots, c'est d'office négatif.
Oui. Ah. C'est embêtant. Pourquoi? Ah, on a des membres de la famille qui sont un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais je parle de relations amoureuses, je vais pas non plus... Moi, je vais bien aider les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de souci. Donc, si un jour je tombe amoureuse d'une personne comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, ça reste un être humain. Dites voir, ma petite Diana. Je me permets de vous poser cette question parce que le doute m'habite. Pardon ? Êtes-vous célibataire ? Oui. Oh. Vous êtes donc à la recherche d'un homme ? Non du tout, je recherche personne. Oh ! Oh mon dieu ! Kato, on a peut-être fait une bêtise. Là, actuellement, je recherche personne. Après, si ça me tombe dessus, ça me tombera dessus. Ah, bien sûr. Si ah, parce que vous pensez réellement que... Vous voulez vraiment faire marier votre fils? Mais ou... non, il veut pas, oh. Il veut pas. Père, oh, le mari oh, Père, je... On est juste deux adultes qui discutent. On a le droit de discuter entre adultes sans que directement on entreprenne une relation de mariage. Diana, bienvenue dans la famille. Ah, la famille Pichon, c'est ça? Exactement, vous nous connaissez maintenant. Y'a pas de soucis. Je suis ravi de faire partie de la famille. Ben oui, mais il faut... Donc, vous dormirez dans la chambre de Sacha. Il a une petite chambre très sympa avec des posters. Sacha, que pensez-vous de l'emmener dès ce soir? Père, voyons. Ah, je veux pas forcément quitter Caillou Perico. Bah oui. Il y a des horaires à respecter, il y a un couvre-feu. Bah oui, père, voyons, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Mais si, qu'est-ce non, que c'est? Mais attendez, vous vivez en dictature? C'est une dictature, ce Caillou. Qu'est-ce que vous foutez là, alors? Bah, je suis né ici. Je peux pas aller sur LS. Ah oui, mais si vous avez le choix de quitter cette merde, quittez-la. Bah, c'est pas une merde, c'est quand même l'île où j'ai vécu, ma grand-mère est morte ici. Mais donc... c'est une dictature, madame. Bah, comme pas mal de pays... dans le monde. Donc on respecte les lois et les règles. Et donc ça vous va ? Moi je vis. Je vis pour aider les gens, mon prochain, j'ai mon restaurant. Je vais sur LS surtout pour les livraisons. Également. Donc... Bien sûr, bien sûr. Bon bah Sacha, ça va être compliqué hein. Oui. Ah, je viens de... C'est sûr qu'il devrait se mettre avec une Caillou Perico. Mais si, je viens de comprendre. C'était quoi ça les petites graines, Sacha? C'est ça! Quelle petite graine, père! Oh mais bon, évidemment! Mais, oui, bon, mais qu'est-ce que vous racontez? Non, mais petite graine, c'est-à-dire? Vous êtes fait pour être ensemble. Je ne sais pas de quoi il parle. Non, je vous le dis, vous êtes fait pour être ensemble. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. Non. Ah bon, je le connais depuis. Mais oui, mais. Non, mais vous Diana, êtes une femme voyons. Fantastique, tu te rends bien compte de ce qu'il est en train de faire? Tu t'en rends bien compte, Diana? Oui, mais je comprends pas pourquoi il veut me mettre Diana, mal à l'aise, c'est tout ce qu'il veut. Vous pouvez demander à Katou ici présent. Il me punit, voilà ce qu'il fait d'ailleurs. Il est en train de me punir, désolé. Mais tu penses, mais Sacha c'est ça? Oui. Non, peut-être qu'il confond avec une autre personne, non? Non, juste il me punit, voilà, il me met mal à l'aise. Je devais aller voir un autre être humain, arrêtez. Il me punit. Non, les mots sont durs, mais les mots sont là tout de même. Bon, je suis pas mal à l'aise, moi, personnellement. Bah oui, mais pourquoi, Diana, pourquoi être mal à l'aise? Vous nous aimez bien. Oui, vous êtes des personnes respectables. Bah oui, vous aimez bien mon petit Sacha. Vous tous? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est bon, père, vous avez fini? Bah oui. Merci, père. Bah maintenant, on vous regarde, allez-y. Comment ça? Continuez, faites la suite. Père, on a prémâché le travail. Merci, s'il vous plaît. Oh mon dieu. Allez-y, Sacha. Là, je me sens mal à l'aise. Sacha, on voit tout ce que t'as. Je vais rentrer à LS, père. Montre-leur que la famille Pichon, nous sommes les meilleurs. J'ai une question, ça fait combien de temps que vous êtes mariés, du coup, avec Madame Catherine? 30 ans. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Et ils sont super bien entre eux. Katou est sur Tinder et père s'en fout. Ça fait plaisir à voir ce genre merci de couple. Katou, elle fait des rendez-vous avec d'autres mecs et tout, et père, il s'en fout, il dit rien, lui. Il est pas jaloux du tout. Ah rendez-vous. Ils se font confiance. La confiance est une base dans un couple. Vous devriez commencer entre vous, n'est-ce pas? Bah, la confiance est la base un peu de tout. Bah oui. L'amitié, de l'amour. Exactement. Oui, bien sûr. C'est pour ça. Diana, faites-vous confiance en Sacha. Je le connais pas très bien, mais j'espère avoir... Enfin, plus tard... lui faire confiance. Bien sûr. Regardez, ça se voit que mon fils ne fricote pas d'autres demoiselles, voyez ce que je veux dire.
Il peut faire ce qu'il veut. Non, il n'a d'yeux que pour vous, ça se voit, regardez-le. Mais taisez-vous, père, bordel. Donc vous voyez, Sacha, tout est dans la confiance, vous comprenez? Il peut fréquenter d'autres femmes, il n'y a pas de souci. Enfin, y a pas, on n'est pas dans, oh, dans l'optique êtes, de se draguer. Êtes... Oh, vous êtes une petite libertine. Non, du tout. Du tout, du tout. Vous êtes, moi, dans, le... vous êtes dans le claudisme? Non, du tout. Moi, lorsque je rencontre quelqu'un, je suis vraiment fidèle, je reste avec lui. Oh. Bien sûr, je comprends. Par contre, vous, vous êtes libertin? Ah oui, Katou, en oh, tout cas, non. Elle l'est. Non, mais mmh exhibitionniste, si, je dirais. Non. D'accord, ok, je vois. Il est vrai que nous aimons bien faire l'amour à des endroits où, par exemple, Sacha prend son petit déjeuner le matin. Oui, par exemple, Katou aime bien faire l'amour avec Rafi à Caillou Perico. Avec oh, Rafi dans... Oui, non, dans, ça m'est arrivé. Dans le dos de mon père, effectivement. Elle fait des petits rendez-vous secrets. Arrêtez, Sacha. Votre petit subterfuge ne fonctionnera pas. Non, ce n'est pas un subterfuge, père. Avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Et vous? Ah bah voilà. Bah oui, j'ai la preuve de ce que j'avance, oui. Vu qu'elle est dans le lit avec moi tous les soirs. Mais bien sûr. Êtes-vous sûr qu'elle va en France? Oh, on n'est jamais sûr de rien. Mais je lui fais entièrement confiance. C'est la base du coup. C'est très bien, père. Hello. Oui, bonsoir Charles. Comment allez-vous? Oh, il faudra que je vous parle du petit Charles. Félicitations. C'est qui? Oh, c'est un médecin qu'elle a rencontré. Je vous avoue qu'elle a... comment dire? Elle est très proche de lui. Encore un. D'accord. Bon, après, vous savez, je vais être très honnête avec vous. Arrivé à notre âge, quand bien même nous faisons l'amour avec, comment dire, avec une troisième personne, l'important, je vais vous dire, Diana, vous êtes jeune, mais vous devez savoir tout de même. Si jamais, effectivement, nous venons à faire l'amour avec Charles et Katou, l'important, c'est de ne pas se regarder dans les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Oh mon Dieu, ok. Je... D'accord. Essayez d'espérer que nos couilles ne se touchent pas. Je vois. Bien, père, je vous dépose. Bien sûr. Allez, je vous dépose. Oh, Diana. Je suis très heureux d'avoir rencontré la conjointe de mon fils. Mais je ne suis pas sa conjointe. Mais je vous félicite. Vous avez... Vraiment, vous ne serez pas déçus. Oh, vite, courez, mais... courez, Katou, ils veulent te doubler. Oh non, je suis bourré, j'avais oublié. Pitié, père. Alors, vous vouliez se passer sans nous? Non, je pense qu'il n'aurait pas osé. Oh. Oh, votre fume. En tout cas, Diana, votre prestance est assez agréable. Oui, bah vous êtes adorable, Diana. Mais si jamais vous repassez sur Caillou, n'hésitez pas à passer au restaurant. Il y a un mec. Il y a un mécano. Sacha repasse quand sur Caillou? Oui, il y a un mécano. Il est où? Bah oui, Sacha, à force de faire n'importe quoi. Va tout droit. Décidément, Sacha, vous êtes autant pourri la soirée. Oh, il y a beaucoup de fumée. Après, tu passes à droite. À droite? Vous passez quand même une bonne soirée, Sacha. Non. Bon, sur la dernière soirée avec Katou, profitez. Oui, c'est vrai. La dernière soirée? Pourquoi? Elle va mourir. Non. Elle va mourir? Non, je m'en vais en voyage. D'accord. Diana, tu peux les appeler pour être sûr qu'ils sont ouverts. Allez. Oh, de toute façon, à la vitesse où nous allons, je pense que... T'imagines? Vous avez le temps de les contacter. T'imagines, Diana, 30 ans de mariage quand même les deux. Hein. Allô, Jeff, t'es au garage? Oui, alors, Sacha. Attends, je parle à Diana. Est-ce que tu es disponible pour faire une réparation pour les touristes? Il bloque là. Ah ben. C'est un beau véhicule. Bah oui. Oh, wow. Non, voilà. Non du tout. Qui va aller s'arranger avec une côtière comme ça sur on le est au garage. Comment ça qui... C'est qui nous a pas laissé rentrer plutôt? Vous tenez c'est... vraiment à trois dans ce petit truc de métal là? C'est de ce bout de métal comme dans le vôtre, vous êtes quatre, clairement. Non. Il y avait quelqu'un à la frontière? Côté Amérique, oui. Pas côté Péricain. Non. Smiley pour Juan. T'es où, hermano? Vite, Sacha, fuyez. Je fuis. Attention. On s'échappe. Vous allez faire demi-tour, vous gagnez la frontière sagement et après vous rentrez là à pied. Je vais chez le mécano. Hermano. Le mécano, je vous fais venir là à la frontière. Bah c'est non. Interdit, il n'y a personne. Monsieur, vous n'allez pas m'énerver quand même. Je suis avec une citoyenne caillou-péricaine. Oui, mais écoutez, peu importe. C'est vrai moi, que... je vous dis de faire demi-tour. D'accord. La voiture n'est pas adaptée. Elle n'est pas homologuée? Je suis susceptible ici. Hein.
Bah, je vais vous envoyer une liste de voitures. Il s'énerve pour rien. C'est des jaloux. Bah, oui. Et pourquoi il y a un modèle de voiture En fait, sur Cayo Perico, les voitures, on va dire sportives et beaucoup trop récentes, sont interdites. Que ce soit pour les touristes ou les citoyens de Cayo Perico. La mienne, j'ai dû la vendre. C'est pire qu'une dictature. Bah, la prochaine fois, on viendra en calèche. Je viendrai en cheval. Non, mais c'est ridicule. Bah, pour les touristes, je comprends pas, mais après, c'est la règle. Du coup, je vais vous envoyer la liste. Si jamais vous voulez repasser avec un autre véhicule. Ah oui, on viendra en tuk-tuk. Ça va être long. Tu as laissé la une Draftel. Et poussez-nous derrière. Non, non, non. Oui. Non, 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 arrêtez, ça va être pire. Oh, il est fâché parce que... Mais après, c'est pas notre faute. Parce que... Bah non, mais bah parce que notre véhicule, il est à l'aéroport. Ah oui, il y a votre véhicule aussi. Bah oui, bah, mais c'est ma faute, je tenais à m'excuser, j'aurais mais dû. Non, it's okay. Bref, je te disais, Diana, t'imagines les deux 30 ans de mariage quand même. De la famille. Elle, c'est ma belle-mère. Mais c'est, je trouve la famille incroyable. Ouais, et j'ai 30 ans de mariage et moi j'en ai 25. Vous serez la bienvenue évidemment dans notre villa. Bien sûr, avec plaisir. J'ai 25 ans, Diana. 25. D'accord, Diana. Et eux, ils ont 30 ans de mariage et c'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Bah oui, c'est bien, une famille recomposée. Il a pas dit d'aller à la frontière? Attends, mais j'ai déposé la voiture juste. Allez, descendez, père et belle-mère. Il me faudra un mécano, on attendra avec vous. Non, père, c'est bon, pitié, laissez-moi 5 minutes! On arrive! Oh! Putain, je suis désolé. Y'a pas de soucis. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment te caser avec quelqu'un. Viens devant, mais non, c'est juste des gros cons. Peut-être qu'il veut que ton bonheur. Non, justement, Je les déteste. Ils veulent ruiner toutes tes relations. Oui. Que ce soit amicale ou amoureuse. Exactement. Je sais pas, j'ai pas cette impression-là. Si. Bref. Et demain je reviens, demain on mange. Non, tu sais quoi, demain c'est toi qui viens. T'as le droit de venir à LS? Si tu me commandes des menus, oui. Si je te commande des menus, oui. Oui. En gros, il y a un couvre-feu ici de 21h jusqu'à 2h du matin. Ou tu peux aller à LS ou tu peux pas y aller à LS de 23h? Je peux aller sur LS, mais pas tous les soirs. C'est pas moi qui ai fait rentrer ces véhicules. Donc si je vais demain, je pourrais pas aller dans les autres jours. Ok. Donc, on peut se voir demain si tu veux. Attends, comment je fais pour annuler la démarche? Il me refaudrait une pina colada. Ah non, c'est bon, je vais bien. Oui, on va dire entre 21h et 2h du matin. En fait, vu que l'effet, il est parti. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, je t'entends. Entre 21h et 2h du matin, c'est que des livraisons faites par le restaurant. Et ensuite, après 2h, je peux venir sur LS. Du coup, ce sera à partir de 2h. Ok. C'est-à-dire là, tu dois rester, t'es enfermé à LS. Non, sur Cayo Perico, si... Enfin, oui, non, t'es enfermé à Cayo plutôt. Si c'est pas pour une raison pour l'entreprise, on peut pas sortir. Ok. Sacha, on est là. Oui, bonjour, père. Bon, madame, vous ne pouvez pas venir avec nous? Les zombies. Là, non. Laissez-moi arrêter d'être bourré. La tienne. Père, je suis trop bourré. Attendez. Ah bah merde, je la vois pas. Elle est là-bas. Ah oui. Il faut que j'ai re le menu en haut à gauche qui spawn en fait. Mais non, mais c'est invivable. En gros, en haut à gauche, j'ai un menu en mode activer la démarche. Je suis bloqué, démarche bourrée. Comment je fais? J'ai pas le truc pour arrêter la démarche. Bon bah je vais te brûler à la fin de ma vie, qu'est-ce que je te dis. Alors il est arrivé par magie sur le Cayo Perico ou la cochère maintenant? Excusez-moi monsieur, est-ce que ma fugitive a le droit d'être à Cayo? Négatif. Il m'a dit des corocos, bon mais tant pis, je vais te bourrer hein. Excusez-moi. Non, si. Dis-moi. J'ai pas compris avec l'all music là. Oh, excusez-moi. Américain. Non, je pourquoi les voitures on peut pas?
que monsieur a bien laissé rentrer. C'est des véhicules qui ne correspondent pas à l'ethnie péricaine, hermano. Nous n'adhérons pas à ce genre de véhicules américains sur notre sol. C'est tout simplement. Vous acceptez les deux chevaux? Si. Les deux chevaux, les Cariali là-bas, comme vous voyez. Viens voir, Diana, viens voir, s'il te plaît. Oui. Mais tous ces. Toutes ces coachs-là, on ne les accepte pas, hermano. Excuse-moi, parce que je suis un peu bourré. Si, mais. Y'a pas de souci. De 21h à 2h, si tu te fais pas une commande, tu peux pas venir, c'est ça? C'est ça. Tu veux que je te fasse une commande ou tu veux que je vienne manger chez toi? Non, je vais pas te pousser à la consommation. Je viendrai à 2h du matin et je viendrai une fois. Et tout le reste de la semaine, je restais sur Caillou. Parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on aille sur LS. Je suis sur Caillou Perico pour dynamiser l'île. C'est un peu mon boulot en tant que restauratrice. Donc, je n'ai pas envie non plus de. Au pire, on fait un feat. Un feat? Ouais. Pourquoi? Avec quoi? Genre, comment il s'appelle ton resto? La Linterna. La Linterna? Eh ben, on fait la Linterna X Dragon Kai. Genre tout... Ah, j'ai travaillé là-bas? Ouais, je suis copatron. Genre toutes les boissons de la Linterna et toute la bouffe du Dragon Kai. Je vais attendre qu'il finisse sa discussion. Et on fait 50-50 des bénéfices. T'es sûr? Ah ouais? Bon, on en parlera si tu veux. Vas-y, on en reparlera. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Monsieur, oui, j'ai besoin de vous faire payer la facture. Oui, pour bien la sûr, c'est combien? Alors, là, c'est un véhicule de Los Santos, donc 375 plus véhicule interdit sur Los Santos, on est à $450. Mets-le pour moi. Non, allez. Je t'en supplie, Jeff. S'il te plaît, Jeff, fais pas le coup, Jeff. C'est ma faute. Ah oui, Jeff. C'est ma faute, c'est à cause de moi. Jeff, fais pas le coup. Bah oui, je vais vous la mettre. Ah oui. C'est combien tu m'as dit? 400 000. Mais je vais payer cash, Jeff, ok? Non, mais arrête tes bêtises, s'il te plaît. Voilà, mon grand. Elle est trop chiante. C'était ça, c'est les femmes. Oui. On partons. Merci bien. Merci. Oh, Sacha. Quoi? Venez. Oui. C'était pas bon, Diana. Merci. On se voit demain, ok? Après, hein. Oh non, c'est bon, on va rentrer. Prenez soin de vous. Allez. Ah bon, bon. Ciao. Non, ça va aller. Oui, merci en tout cas. Sacha, je crois que c'est dans la poche. Oui, super. Bah oui. Oui. On fait un petit débriefing à la villa. Oui, on fait un débrief à la villa. Excusez-moi, vous pouvez me faire une petite palpation avant que vous sortez de Caillou? Oui. Gracias. Hello. Je suis bourré. Et ça se ressent. Attendez. Moi, Ben. Tout est clair, vous pouvez y aller. Ah, tu putes la gueule, hermano. Wow, mais c'est quoi que tu as bu une chiotte? Non, j'ai bu des pina colada. Oh. Au revoir. Au revoir, Diana. De sécurité, señor. Au revoir, Diana. Au revoir. Au revoir, Sacha. C'était trop drôle. Bon, ça m'a niqué. En vrai, ça m'a pas niqué mon coup. Ça m'a niqué mon rendez-vous, mais c'était trop drôle, sa mère. Ça a l'air d'être chiant d'être en couple avec une meuf de Caillou, elle peut rien faire. Non, je pense que... Enfin... Oui. Mais je pense que... C'est parce que... sinon... En fait, il y a un fléau sur le serveur. Il y a des gens, ils voient marqué whitelist Caillou Perico, ils en ont rien à foutre de faire du Caillou Perico, ils veulent juste faire un gang, ils veulent juste faire des ballasses. Ils font whitelist Caillou Perico, ils jouent 2 semaines, après ils se font wipe. Ou alors ils jouent 2 semaines, et au final ils partent à LS et ils restent à LS, tu vois. Du coup quand les gens ils viennent et qu'ils se font whitelist Caillou, eh ben ils restent à Caillou, c'est pour rester à Caillou, c'est pour jouer à Caillou. Parce qu'en vrai il y a une vraie vie à Caillou, hein. Genre tu peux juste RP à Caillou pendant toute la soirée, tu vois. Les gens, ils font pareil avec les EMS, ces gros cons là. Surtout avec les EMS d'ailleurs. Visa. Ok.
Edita est toujours pas là? Réflexion, j'essaie d'aller au FC Diana. Même moi, je sais pas. Moi, vous savez que là, je suis juste en mode je vis. Et on verra bien. Je vais prendre un mur. Ok, c'est bon. Pourquoi vous parlez de perso caillou? On est au début de Sacha et vous parlez de perso caillou? Pourquoi ne pas créer des quartiers à Caillou comme à LS? Ben y'en a. C'est pas des quartiers en mode de gang quoi, tu vois. Et Finn, fils de pute, Finn! Ouais Yuna. Oui ça y est c'est fini. Alors c'était comment? Bah je vais juste dormir un peu tôt là, je vais pas tarder parce que demain je me lève. Ah ouais tu vas faire quoi demain? Je suis de garde. T'es de garde? De garde de quoi? De police, à l'accueil, à 6h30. Ah oui merde ouais. Ah oui mais va dormir. Non ça va t'inquiète t'as l'habitude. Ah putain je sais pas comment je fais. Moi si je dors pas, 8h je suis grognon. Ah, maintenant 6h, 4h, ça me suffit en vrai. Ah putain. Ben faut que je passe chez moi là, faire un truc vite fait, et après je suis là si tu veux. Mais j'ai peur de tarder et que tu sois fatigué demain. Ah, ça dépend combien tu tardes. 15 minutes. Bon, vas-y, je t'attends. Vas-y. À toutes. Enfin, 15 minutes déjà, il va arriver dans 15 minutes mon daron parce qu'il est lent. Wesh wesh wesh, c'est des FAQ? Qu'est-ce qui vous arrive? Petit thread pour expliquer pourquoi je quitte le FC Dita. Premièrement, je n'ai aucun problème avec le FC Dita ou ses membres, je ne m'y sens juste plus à ma place. Masterclass. Oh non. Je refuse. Oui, allô? Ça, surtout me remerciez pas, Gouja. Gouja? Oui. Pourquoi Gouja? Tout ce que j'ai fait pour vous, là, je vous ai arrangé le petit coup. Je vous attends à la villa. Bon. Ben, je vous attends à la villa. Vous comptez pas y aller, là? Mais vous avez dit on débriefe à la villa? Non, mais c'était une petite blagounette. Ah, vous allez faire quoi? C'était pour montrer qu'on était une famille soudée et qu'on faisait des briefings. Ben, merci, père. Ben, merci. Oui. Vous êtes content. Mais qu'est-ce que vous allez faire? On va tuer quelqu'un. Vous allez tuer qui? Je ne peux pas trop vous en dire, Sacha. Mais sachez que si on ne revient pas à la villa pour ce fameux debriefing, vous comprendrez qu'on a passé l'arme à gauche. Non mais qui vous allez tuer, sérieux, père? Sacha. Oui. Je ne peux point trop vous en dire. Néanmoins, ça commence par 10, ça finit par tard. Bonne chance. Ben écoutez père, d'accord. Non parce que lui je l'ai pas oublié hein. Oui père. Sacha. Oui. Nel n'est malheureusement pas là. Bah oui. Elle dort. Oui. Du coup. Bah oui, vous allez faire comment du coup? Bah on rentre à la villa, on va faire le debriefing. Je suis parti de la villa, père. Vous allez où? Je vais au Dragon Kai. Debriefing au Dragon Kai. Comment? On fait le debriefing au Dragon Kai. Mais non, père, je vais voir Yuna. Allez au Dragon Kai, Kassou. Non, père. Quelle merde. Win. Oui. Oui mon Sacha, poulet. Je suis toujours bloqué, Sacha. Oui, mais tes collègues qui font le poulet, ils sont où?
mec qui font le bruit, j'en ai aucune idée. Parce que là, en vrai, si je préfère, je ne peux répondre au téléphone qu'à toi. C'est tout. Pourquoi ? C'est tout ce que je peux faire. Parce que je suis bloqué. Tu es bloqué ? Oui, voilà, je suis bloqué. Écoute, et tu peux répondre au téléphone qu'à moi ? Ouais, exactement. Mais non, mais c'est pas possible ça. Je jure que c'est vrai. Ton téléphone ne marche pas à part avec moi. Oui, je. Au revoir, au revoir, Sacha. Mais pitié, mon poulet ! Au revoir. Mais c'est insupportable. Je vais parler à l'autre là au commercial, frère. Il me faut du poulet. Oh. Je pourrais jamais être poulet. Waouh, 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 oh, oh, je peux pas tout lire. C'est très très drôle. En tout cas, ton papa et ta belle-mère sont, et ta belle-maman sont très drôles. Je pense que tu devrais pas trop leur en vouloir, c'était très mignon. Mingon, c'était très mingon. Ils veulent que ton bien, vite à vie comme tu l'entends, je n'ai pas vu. T'as comme un rendez-vous à la base, j'ai été surprise, voilà. Fais attention sur la route, ne tue pas tes parents. Content que ce triste spectacle t'ait plu. Plus ? On se revoit demain dans de bonnes conditions. Je ne voyais pas ça comme un rendez-vous non plus, mais j'ai eu, on ouvre une porte, le malheur, de leur dire que je te trouvais mignonne. Plus TS ? Je me raconte. C'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Putain, y'en a des meufs. Au revoir. Oh. Oui, père, faites quoi ? On va vous rejoindre pour vous pourrir la vie, Sacha. Je vous attends. Hola, hola. Bonsoir. Hola. Bonsoir. Hola. Bonsoir. Aïe, aïe. Oh, je peux pas rentrer. Je me suis brûlé la porte. C'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour quoi ? Pourquoi tu peux pas rentrer ? Non, je peux pas. C'est pour on a un petit rendez-vous. On a un rendez-vous. Avec qui ? Avec maman. Avec qui, maman ? Venez. C'est Madame Pichon. Avec qui ? Avec Madame Pichon. Pourquoi faire ? Je sais pas, c'est... on a un rendez-vous, on doit parler. Parler à faire. Ah, je vois rien. Elle est là, maman, ou pas ? Je crois qu'elle arrive. Pas allez-y, fait. Asseyez-vous. Très bien. Vas-y, passe-moi deux secondes, je vais aller faire un petit pipi. Hein. Mangez les filles si vous voulez. Je sens mal. Moi, y a pas d'argent. Là, ça, tu te sens mieux là ou pas, Bella ? Nous, on va s'installer tranquille au fond là. Je vous sers quelque chose ? Prenez les filles si vous voulez. Ah, un mojito ? Mais on n'a pas de mojito ! Vous avez quoi ? Du soju. Ah, c'est un alcool doux, très bon.
Bonsoir. Je vais goûter. Bonsoir, madame. Ah, maman, comment va bien? Oui, ça va. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, et messieurs. Bonsoir. Bah, venez, je vous le donne. Madame, vous êtes qui? C'est l'hôpital. Marie-Julie. Madame. Madame, approchez. C'est notre fille. Notre fille. Mais j'ai pas de fille, moi. C'est notre fille, ça? Bah, elle est très belle, notre fille. Bah oui, c'est votre soeur, Sacha. Hein, c'est ma soeur. Gracias. Attendez, attendez, vous allez payer. Bah oui. Moi, je suis ta soeur. Ah oui, c'est notre fille. C'est ma step-sister. Tu me fais payer. Tu me dis, je suis ta soeur, tu me fais une facture. Bah oui. Parce que notre fille, c'est un rat. D'accord, oui, bah je vois ça. T'es mal à taille, comme ils disent les jeunes. Enchanté, step-sister. Du coup, c'est votre fils adoptif ou c'est votre fils. On sait pas trop. On sait pas vraiment. Vous posez trop de questions. Je suis le fils de Bernard, mais pas de Katou. Vous pouvez faire un test salivaire, non, pour l'ADN. On te fait, oui. Bah oui. Bah, Sacha, vous nous servez ou merde? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez. Vous voulez du soju aussi? Un peu, non, maman. Comment? Vous voulez du soju? Celle un peu, non. Mais je m'en prends, ce que tu veux. Oui. D'accord, bah tenez du soju. Comment dire? Je vous en mets. Je vous en mets deux, ça vous va deux? Oui, il a l'air défoncé. Vous me les faites payer, là? Oui. Non, c'est bon, j'ai plus soif. D'accord. Quoi, Yuna? Comment allez-vous? Payer son père. Oh, Yuna! Bah oui, ah oui, c'est pas très sympa ça quand même. Vous êtes toute belle. Moi j'aurais offert directement à mon père. Comment allez-vous? T'es sûr que ça va, Sacha? Oui. Moi, j'ai croisé les... T'as pas l'air en forme, mon gars. J'ai un peu bu. Il a l'air bourré, oui. Allez, vous qui êtes inquiétant là. Oui. Vous êtes très belle, madame. Ils sont bizarres. Ah oui, c'est dangereux, vous avez raison. Madame, vous êtes très belle. Bien sûr. Gracias. Oui, de nada. Vous êtes pas mal aussi. Drague-le. Merci, madame. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Oh. Sacha, donc vous. Il vous intéresse, non? Chut, il est derrière. Pardon. Oh. Yuna. Il est derrière. Yuna. Oui? Yuna, faites attention. Il est juste là. Oh, il est un petit peu éméché. D'accord. L'hôpital? Monsieur, quel est votre prénom? Oui, toujours. On peut peut-être se mettre une table un peu plus. Oh putain. Je déteste mon daron. Les bourguignons, ils m'ont dit que c'était mort. Les bourguignons, ils vous ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'il avait une femme et que c'était mort. Que qui avait une femme? Je comprends plus. Ben, Sacha, ils m'ont dit arrête d'espérer. Mais non, mais non. Les bourguignons aussi. Sacha, dites-lui que vous n'avez aucune femme dites-lui dans votre vie. Dites-lui quoi? Que vous n'avez aucune femme dans votre vie. Je n'ai aucune femme, si. Mais qui? Ah bon? Oui, j'en ai une, Yuna. C'est qui? C'est toi. Bah voilà. Ah bon? Bah oui, ma petite Yuna, allez-y. Du coup, on est ensemble? Je sais pas. Ma Sacha! Quoi? Bah allez-y, dites-lui! Dites-lui quoi, père? Laissez-moi tranquille! Mais elle vous pose une question! Dites-lui, allez au bout! Mais au bout de quoi? Mais elle vous demande si vous êtes ensemble! Mais non, on n'est pas ensemble! Ah. Ok. Et quoi? Tu veux qu'on se mette ensemble là comme ça? Non, bah, c'est vrai que c'est bizarre. Devant votre père et tout, ouais. Bah, oui, je vous regarde. Mais père! Allez-y. Oui! Je suis un peu gênée quand même. Mais oui, vous nous mettez mal à l'aise. Mais non. Bah allez, venez, asseyez-vous, je vous sers un petit truc. Allez, asseyez-vous. D'accord, oui, faites comme chez vous, monsieur. Oui, allez, faites comme chez moi. Voilà, asseyez-vous. Je vais vous servir un petit truc. Non, pas par terre, mais Yuna tout de même. Pardon. C'est le stress. Oh, vous êtes tout beau, vous deux. Merci. On va bien ensemble, c'est vrai? Oui. Si j'avais su, je me serais peut-être mieux habillée. Non, t'es très bien, Yuna, t'es très bien. Yuna! Oui? N'allez vous habiller un peu mieux que ça, s'il vous plaît, face à mon fils. Oui, d'accord. Tout de même, un minimum. Oui, tout de suite, je m'habille mieux. Pourquoi vous faites ça, père? Pourquoi vous faites ça? Mais c'est votre femme, là! Mais père, laissez-moi prendre mon temps! Vous biaisez mes relations, vous les biaisez complètement! Sacha, on n'a pas le temps dans la vie. Kato est par demain. Et alors? Imaginez l'avion se crash. Mais alors? Quel rapport? Aucun, mais je serai seul. Père, pitié. Mais est-ce que je n'aurai pas tous les regrets pour me dire waouh,
J'aurais dû faire avec Scatou tout ce que je voulais faire. Quand Katou la fois où je voulais la prendre derrière le buisson du Dragon Kai. Écoutez. La fois où je voulais la soulever devant vous. Quand Katou va partir. J'aurais tous les regrets pour moi, Sacha. Quand Katou va partir, je vais être en roue libre avec vous. Je vais vous. Père, je vais vous mettre au fond du trou, père. Au fond. C'est une menace ? Oui. Non. Quoi ? C'est mieux ? Ça vous dérange si je récupère les clés de la villa, hein ? C'est très bien, Yuna, c'est très bien. J'avais pas mieux, j'avais pas pris ma robe, là. Bref. Non, c'est très bien, Yuna. Yuna ? Oui ? Les plans ont malheureusement changé le temps que vous changiez de tenue. Ah ! N'est-ce pas, Sacha ? C'est quoi ? Figurez-vous que mon propre fils, ma chair, le sang de mon sang, mon sperms, oui. vient de me menacer. Ah, pourquoi ? Parce qu'il me met mal à l'aise. Allez-y, Sacha, dites-lui pourquoi. Mais je viens de le dire. Mais pourquoi il me met mal à l'aise ? Bah dites-lui, Sacha, dites-lui. Bah... Sacha, vous avez pas l'impression que toutes les femmes que vous côtoyez m'aiment bien ? Je ne vous êtes le seul que je mets mal à l'aise. Sacha, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quand je venais vous chercher à l'école sur un fond de Johnny Hallyday qui vous met mal à l'aise. Vous ne venez pas me chercher à l'école, père, vous m'avez abandonné. Bah oui. Donc pourquoi je vous mets mal à l'aise ? Oh, j'ai envie de monter sur ce banc, c'est plus fort que moi. Bah, dis-moi tout, Sacha. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais Sacha, attendez, dites-lui tout. Qu'est-ce que vous faites, père ? Bah rien, dites-lui, on vous écoute. Dites-moi. Sacha. Je vous baisse un peu parce que vous avez l'air un peu... Dites-lui, Sacha. Dites-moi. Mais parce que il me stresse. Tu comprends? Mais pourquoi il te stresse? Parce qu'il veut s'immiscer dans ma vie privée. Mais il est gentil, il fait ça pour ton bien. Bah oui. Sacha. Excusez-moi, père. Bah oui. Je sais pas quoi te dire, Yuna. C'est pour ton bien. Il veut que t'aies une bonne Yuna, femme. Yuna, moi, je vais suis bien, moi. Yuna, je vais vous expliquer. Je pense que Sacha a honte de son père. Et ça me terrifie, cette idée. Ah bon ? Pourquoi ? Mais... Pourquoi vous me parlez comme ça ? Parce que vous êtes aussi. Ben oui. Rapprochez-vous. Je vais vous faire une petite place à mes côtés. J'espère que vous n'avez pas honte comme Sacha. Non, moi je vous aime bien, monsieur Pigeon. Mais il paraîtrait que... mon fils a honte de moi. Ça m'attriste énormément. Mais non, moi je pense que vous êtes un papa très bien. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, je ne comprends pas. Je l'ai accueilli dans une famille qui ne voulait pas de lui, soyons francs. Je l'ai protégé quand les gens voulaient lui mettre des coups de hache. Ah, c'est dur. Vous avez payé ces gens qui voulaient mettre des coups de hache, père. Non, arrêtez, vous voyez toujours la facilité. Oui, Yuna. Non, c'est n'importe quoi, Yuna. Yuna, est-ce que... Regardez-moi. Oui, je vous regarde. Ai-je une tête à faire ça, Yuna ? Dis la vérité. Bah, Sacha. Regarde-le bien. Regarde son... sa petite moustache, très bien en fait. Ah, voilà, merci. Quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. Bah oui, Sacha. Vous savez, moi, j'aimerais bien avoir un papa comme vous. Je sais pas... Merci, Yuna. Vous savez, Yuna... C'est pas facile. Le jour où vous avez besoin d'une famille, nous serons toujours là pour vous. Sachez-le. C'est vrai ? Mais, bah, bien merci sûr. Merci beaucoup. On peut même vous accueillir à la villa. On vous ferait une petite place dans la chambre de Sacha. Ah oui, je veux bien. Bah oui, c'est Sacha. Ah Sacha, on serait plus proches comme ça. Bah oui. Oui, c'est vrai. On passerait plein de temps ensemble. Par contre, vous vous appellerez Yuna Pigeon. Pigeon ? Pigeon. Pigeon. Pourquoi Pigeon ? Pigeon. 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 Oui, Pigeon. Bah ça me va bien, Yuna Pichon. Mais oui, mais ça vous va très bien, Yuna. Ah en oui, plus, comme par hasard, ce prénom-là, c'est le seul sur où je suis fatigué. J'ai pas de ce fort. Et lui, sinon, en fait, comme moi, je suis à mon prime d'énergie. Lui, il est fatigué, du coup, il se laisse faire. Bah oui, mais Sacha, il prend pas de nom. Hein. C'est moi qui suis fatigué, lui, il a son prime d'énergie. Pour l'instant, il veut qu'on apprenne à se connaître. Hein, Sacha ? Non, mais on a déjà appris à se connaître, Yuna. On se connaît très bien. Bah vous voyez, il est en train de vous dire oui. Sacha ? Quoi ? Dites-lui. Que je lui dise quoi ? Bah que vous allez vous marier. Mais le mariage c'est encore loin, père. D'abord il faut qu'on baise. Bah je suis pas contre. Sacha, elle n'est pas contre.
frérot non plus. Sacha, j'ai l'impression que vous êtes... Vous réagissez comme un petit puceau, mais Sacha. Père, vous êtes mon père. C'est délicat de parler de ça en face de vous. Vous comprenez, vous êtes mais mon père. Mais je vous ai pas demandé de la tarauder sur cette table. Je vous ai dit que c'était en bon chemin. En public, hein. Vous aimez bien l'exhibitionnisme, madame. Non, pas trop. Non, moi j'aime bien avec Katou. Ah ouais? Ben oui. Katou, elle est... Ah d'accord. En fait, il veut pousser dans mes retranchements. Zarma, je veux faire le mec qui trompe, il veut accélérer mes relations. Katou! Faut que je sois dans la merde. Il a changé de strat. Katou! Katou! C'est qui Katou? Mais c'est ma femme! Mais elle est pas là, on l'attend là! Mais elle est partie où? Elle arrive, elle arrive. Je suis là. Un petit truc. Eh ben c'était pas son rire que j'ai reconnu. C'est ma soeur. Bah du coup, oui. Sacha. Oui, père. Bon, alors on fait quoi? Comment on ça? On va se regarder dans le blanc des yeux. Comment ça, on fait quoi? Eh ben ce soir, vous allez à la villa et oui, on peut dormir ensemble si tu veux. Sacha. Oui, père. Oui, père. Oui, père. Quand une dame vous pose une question, répondez, s'il vous plaît. Oui, mais père, laissez-moi une seconde pour réfléchir. Nous sommes français. Yuna, tu es sûre? De vouloir dormir avec moi? Ben oui, je veux apprendre à mieux te connaître, à être près de toi. Dans un lit. Mon opa. Oui. Il faudra juste mettre le cendrier rempli de cigarettes au sol. Pourquoi? Oh, l'odeur n'est pas très agréable. L'odeur de quoi? Du cendrier rempli de clopes sur le lit. Oui, Non, il n'y a que des mégots de joint. Ah. Écoute, Yuna, écoute. T'es sûr? C'est pas parce que mon père, il te met la pression. Mais non. Il n'y a aucune pression. Moi, je pense que depuis... Regardez comment je suis détendu. Depuis que je te vois, je pense que j'ai des sentiments. Ah. Tu vas me faire du sale, Yuna. Du sale? Non, je suis douce et je suis propre. C'est très drôle, ça, Yuna. Oui, c'était drôle. Hey, bien joué, Yuna. Oui, bien envoyé, Yuna. Oh, Yuna, je tiens tout de même à vous prévenir que Sacha est français. Oui. Et du coup, c'est quoi cette pratique? Vous savez, les Français, comment dire? Les Français et le sexe. Et alors? On est romantique. Bah oui, on est romantique, hein. Mais moi aussi, je suis très romantique. On envoie du lourd. Bref. Enfin, bref. Du lourd. Du lourd? Du Arrêtez, sale. Arrêtez, vous faites peur, là. Oui. Bon, bah écoutez, je suis très heureux de vous accueillir dans notre famille, ma petite Yuna. Ben, pareil. Enfin, merci de m'accueillir dans votre famille. Vous aurez les clés de la villa dès ce soir. Vous allez un peu vite en besoin, je peux lui ouvrir. Vous pouvez lui ouvrir quoi? Bonne soirée à tous, bonne soirée. C'est les Italiens. La porte de... Buongiorno. Nous ont pas répondu. Bonsoir. Alors, comment se passe votre date? Oh, c'est bon, nous on adopte la petite Yuna, elle vient à la villa dès ce soir. Mais c'est pas fait. Oui, qu'est-ce que je vous sers? Et elle va dormir avec Sacha. Taisez-vous, père, pitié. Qu'est-ce que je vous sers? T'as quoi pour 170 dollars? Ce que j'entends, par contre, ça m'arrange pas pour d'état, monsieur. Écoutez, mon père vous déteste. Moi aussi, ça m'arrange vraiment pas pour d'état. Mon père vous déteste, il dit ça pour vous casser les couilles. Arrêtez d'être con, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que je vous... Je pense pas que votre père me déteste. Oui, mon père ne vous déteste pas. S'il vous plaît, ne soyez pas bête. Il fait ça pour vous embêter. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai failli faire une coloration noire pour qu'il soit... Je peux te faire un menu. Un menu. Non. S'il te plaît. Oui. D'accord, je reste comme je suis. La voiture, ça va, ça roule toujours? Oui, ça roule très bien, ça roule très bien. Super. Avec plaisir. Tenez, monsieur, s'il vous plaît. Oui, pourquoi pas. Vous êtes sûr que ça va, monsieur? Vous avez l'air un peu mal à l'aise. Oui, j'ai un peu bu. Oui, comme ça, ça va me prendre. Ouais, t'as un peu bu, oui. Oui, j'ai un peu bu, oui. Ouais, moi je vais tout répéter à Dita quand même, hein. Oui, répète-lui, sale connasse.
T'es bah tout toi le connard, tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que je te sers? La déconnasse. Pourquoi il parle de Dita? Qu'est-ce que je vous sers? Ah bah parce que Dita c'est sa meuf. Ouais, c'est sa meuf, Dita, c'est sa meuf. C'est voilà, sa meuf. Oui, dort pourquoi tous les soirs avec elle. C'est dans le même lit, si, si. Le zizi a l'air, si, si. Sophia. Elle raconte n'importe quoi. Toi, tu rigoles. C'est sa meuf, et voilà. Courage, t'es content. Ah, c'est Dita, sa meuf. Bah oui, je suis triste pour toi aussi, mais bon, il a dit que j'étais une connasse, alors voilà. Du coup, tu vas me servir un menu, vu que tu es serveur? Non, tu vas aller te faire enculer, tu vas sortir de mon restaurant, sale ouais, connasse. Je m'en fous, il est tout pourri ton restaurant, il oui, n'y a même pas un client. Va te faire enculer, toi et connasse. C'est pas possible. Partout où on va, il y a des problèmes, j'en ai marre de vous. Non. Ne vous inquiétez pas, j'ai rassuré Yuna. Allez, venez, je vous embarque. Mais non, je dois aller lui parler. Non, il y a un cours de drague, venez. Non, je dois aller lui parler. Allez-y, je vous rejoins. Yuna, ne l'écoutez pas, quoi qu'ils disent. Père, mais... Yuna, père non. Reculez non, Osez me taper. Père, s'il vous plaît. Yuna, venez, on vous attend. Ferme la porte, pitié, ferme cette porte. Mais je peux pas, il n'y a pas la clé. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, écoute. Arrête. Et où est Sacha et Yuna? Oh, Sacha, ils arrivent, il est en train de discuter avec la petite Yuna. J'aimerais beaucoup adopter cette petite. Yuna, ah oui, lève la tête. Les Italiens foutent leur merde, comme d'habitude. Oui. Les Italiens détestent ma famille, d'accord? Mais ça veut dire vrai. Tout le monde me tue que t'es avec Dita. Mais non, les Italiens détestent ma famille, ils veulent juste nous casser les couilles. Tu comprends? Oui. Je l'emmerde, Dita. C'est vrai. Mais oui. Bon, d'accord, je te crois. Ok, je la galoche. Allez. Tu dors chez moi? Oui, je dors chez toi. Ok. Allez, viens. Je suis un peu bourré. Pourquoi t'es bourré? Mais je suis à la caillot, j'ai bu. Est-ce que vous êtes prête? Qui? Yuna, j'ai dit. Yuna, est-ce que vous êtes prête? Ah, j'ai cru. Oui, moi aussi, j'ai cru. Vous avez entendu quoi? J'ai entendu Tita, mais je pense que c'est parce que... Ah non, mais, non, mais là, il faut arrêter avec elle. Elle est horrible, cette dame. Allez, venez. Oui. Oh, Yuna. Oui. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez policière? Ben, si. Ben oui, allez, venez. Je vous l'avais dit. Je suis une rookie, 09. Je suis dans une merde, les mecs. Dita, voulez-vous quitter la police? Il a rappelé Dita. Yuna. Oui, Yuna, oui. Yuna, j'ai dit, mais arrêtez. Non, mais non, sérieusement. Yuna, je crois que vous êtes perturbée. Je pense, oui. Oh, vous savez, bon, oui. Ça ne vaut peut-être rien, mais de vous à moi, vous n'avez rien à craindre de Dita. Mais arrêtez de parler de Dita. Mais pourquoi tout le temps Dita? Non, c'est par là. Venez, ma petite Yuna. Mais non, j'ai ma voiture. Non, il est adorable, sa voiture. Viens, Yuna. Non, Yuna, venez. Venez, Yuna. Yuna, fais ton choix, Yuna. Venez, Yuna. Yuna. Allez, Yuna, je vous emmène. Je t'ouvre la portière. Yuna, je vous ouvre les deux portières. Yuna. Yuna, venez. Tout est ouvert. Venez, Yuna, venez. Yuna, venez. Je veux pas ouvrir... Oh, bah oui, cassez-vous sa voiture. On se rejoint à la villa. Mais non, on a un cours de drague avec monsieur... Je vais dormir, vous comprenez? Je vais dormir. Non, vous n'allez pas dormir. Si, je vais dormir. Non, vous venez au cours alors de drague. Venez à la Sacha. Quoi? C'est la dernière soirée de Kato, montez dans ce véhicule! Mais je vais dormir! Non! Si, je vais dormir et Yuna aussi! Non, c'est la dernière soirée de Kato, vous venez au cours avec nous! Kato, alors, au pire, vous savez ce qu'on va faire? Quoi? On va à la villa chercher mes affaires et je vais prendre l'avion. Oh non, c'est horrible ça! Bah oui! C'est pas la fin rêvée, Sacha il est en train de tout bêcher! Mais la fin rêvée c'est d'aller dans un cours de drague! Bah oui! Mais non! Bon bah allez forniquer, nous on va au cours, allez. À demain père. Ils sont trop chiants. Mais il me fait rire ton père. Oui. J'aimerais bien avoir un papa aussi compréhensible. Moi tu sais, mon père, il était pas commun. Il avait honte de moi. Il est où maintenant?
il est toujours au Japon. Pourquoi il vient pas? Parce que je veux pas qu'il vienne. Je l'aime pas. Je le déteste. À cause de lui que j'ai été malade toute ma vie. Aïe! Oh. T'as été quoi, malade? Oui. Il me rabaissait tellement que psychologiquement, je me laissais. Me dire aller. Ah merde. Tu vois, ton père, tu sais qu'il fait des choses horribles, mais mon père aussi, il est. Horrible. En fait, il me rabaissait tout le temps. Mon père, c'est un sale connard égocentrique, narcissique, imbu de lui-même. C'est vrai, comme le mien. Ah ben. On a encore un point commun de plus. C'est tout ce qu'il veut, mon père, c'est le pouvoir. Thomas devient pire quand il ne dit pas ça, poto, c'est pas de ma faute, je te jure, c'est pas de ma faute. Vous voyez, vous regardez le RP, vous aussi, hein. Sacha va coûter acheter nos étages, je suis à bout. J'aurais pas dû boire autant. Tu veux que je te parle Non, ça va, t'inquiète. Attends, mon père m'appelle. Comme une princesse. Oui, non. Père. Vous devriez venir, hein. Pourquoi? Beaucoup, beaucoup de... que vous aimez. Père, bonne nuit. Il y en a beaucoup, là, hein. Bonne nuit, père, bonne nuit. On va une femme. Bonne nuit. De quoi? Il parle de quoi? Il y a beaucoup de livres. Ah, j'ai rencontré un mec qui s'appelait K-pop. Il avait 30 pochons de crack sur lui. Il s'habille en K-pop? Non, il s'appelle K-pop, le mec. Il s'appelle K-pop? Ouais, mais il nous a fui parce que mon collègue faisait une sorte de crise d'épilepsie. Ouais, un truc du genre. Et t'arrives à arrêter des gens, toi? Bah oui. Je l'ai même plaqué au sol. Tu veux que je te montre? Vas-y. Je peux te plaquer sur le... C'est bon, je vais m'asseoir. Je te préviens, Yuna, dans 5 minutes, je dors. Mais moi aussi, hein, je vais m'endormir. Hein. Ok, on s'endort et au pire, on ken dans la nuit quand on se réveille. Bah, bien sûr. Allez. Aïe, aïe, mais tu m'as balancé en dehors, Julie, là. Ah, pardon. Je suis sauvage, désolé. Oui. Bon, écoute, Yuna. T'es sûr? Aïe, putain. Ouais. T'es sûr? Regarde comme je suis sûr. Ah oui. Je m'attendais à une meilleure tenue venant de toi. Ouais, j'ai pas. Tu m'as pris au dépourvu. Bah oui, mais bon. Voilà, c'est pour ça. Je pensais pas. Attends, non, si. C'est mieux? Oui, ça va, c'est sympa. Oui, c'est très bien. Bonne nuit, Yuna. Bonne nuit. Bonne nuit. Je déteste Mister B-Boy 45. C'était mon youtubeur préféré. Merde, putain, j'ai pas oublié, j'ai oublié de kick les gens. C'était mon youtubeur préféré. Maintenant, celui que je déteste le plus au monde. Poto, j'ai plus eu de meuf avec Sacha qu'avec tous mes persos réunis. En fait, j'ai compris sa strat. Sa strat, Zerba, c'est... Ah ouais, tu veux gérer plein de meufs? Ben, au lieu de poucave vos meufs, il me force à pécho toutes les meufs pour me mettre dans la merde. Riz existe? Oui, c'est vrai, Riz, il y avait Ivy et Luna. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, avec Riz, j'avais la cote au début. Hein. Mais là, le problème, c'est que ça me met dans la merde. Là, faut que je fasse un choix. Parce que, en plus, Yuna, là, demain, ça va être la merde. Parce qu'en gros, regardez pourquoi ça va être la merde. Les Italiens, ils vont en parler à Dita. Yuna, elle connaît Dita, elle est pas conne, elle va se renseigner, tu vois. Donc, soit je suis un homme, je porte mes couilles, j'assume, tu vois. J'y vais avec l'honneur. Et je fais un choix, je dis voilà, Dita, je vais te faire enculer, ou voilà, Yuna, je vais te faire enculer.
Et là vraiment je garde mon honneur. On y va au bout. Soit option 2, je dis putain j'étais bourré. Putain c'est pas ce que tu crois, j'étais bourré. Et on voit où